me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, something new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. When I call your name, you will come forth. I shall place the salting hat on your head, and you will be sorted into your houses. Is levitation, the ability to make objects fly. Wingardium Leviosa. You're going to take someone's eye out. It's Leviosa. Pierre Totem Locomotor. Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, comme chaque soir, vous le savez, à partir de 19h30 pour la suite de notre rénovation des mondes. J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine, puisque hier, vous savez, je ne stream pas le lundi, puisque c'est ma petite séance de sport. D'ailleurs, hier, c'était horrible, j'avais tellement mal aux jambes après.
Mais voilà, en tout cas, ça s'est quand même relativement bien passé, mine de rien. Je vais déjà commencer par vous dire bonjour donc. Hola Maxi, coucou Patty, coucou Simligno, coucou Héloïse, coucou Chio, coucou Oh My Pack, coucou Bloodreina également, coucou Love Sims, coucou Litka. J'espère que vous allez tous bien. Comme je vous disais, vous avez passé un bon début de semaine. Écoutez, moi au travail, ça va plutôt bien. On va discuter de deux, trois petites choses pendant le stream. J'ai besoin d'avoir un petit peu votre avis sur certaines choses. Là, de toute manière, on va continuer notre rénovation des mondes. Donc, j'ai plutôt hâte de continuer et de terminer l'appartement de... j'ai perdu le nom. L'appartement de Evergreen Harbor. Noxie risque d'être très insupportable pendant ce stream. Puisque je ne sais pas ce qu'elle a depuis que je suis rentré du boulot. Elle n'arrête pas de miauler à la mort alors qu'elle a de quoi manger, de quoi boire. Sa litière est propre. Là, elle est en train de miauler, par exemple. Et coucou, Babessa, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a, espèce d'horrible chat insupportable qui n'arrête pas de miauler? Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, je suis en train de gronder Noxie. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a là. Voilà. Voilà. Regardez qui est la relou de service qui est là. Voilà. Et coucou Caroline, comment tu vas? Bien, et toi, câlin pour le chat? Bah, câlin pour le chat, voilà, regardez. Ouh là là, comme ça, vous la voyez en grand plan. C'est une queen, ce chat. Non, mais elle est insupportable. Depuis que je suis rentré, là, je suis rentré quoi? Ça fait une heure que je suis rentré. Elle est insupportable. En plus, j'ai mis le chauffage, mon chat. Je veux dire à quel point j'aime ce chat, j'ai mis le chauffage, alors que ça coûte la peau des fesses. Elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle peut être relou? Qu'est-ce qu'elle peut être relou quand t'as simé? Hein, ma doudou? Regardez, elle vous fait des eye contact. Elle n'a pas l'air trop de comprendre ce qui se passe. Bon, alors du coup, comme je vous disais, ouais, on va continuer Evergreen Harbor. Est-ce que j'ai des petites choses à vous dire? Alors si au niveau du planning, cette semaine, on va être sur du full Sims, la semaine prochaine également. Je sais qu'apparemment, demain, il va y avoir une bande-annonce, ou du moins, ils vont nous annoncer les nouveautés pour Disney Dreamlight Valley. Donc ça veut potentiellement dire qu'on va avoir la mise à jour la semaine prochaine. Donc peut-être un retour de Disney Dreamlight Valley courant de semaine prochaine, juste avant du coup Hogwarts Legacy. Et on va un petit peu parler de Hogwarts Legacy à la fin de... Enfin, pendant ce stream. Je vois que la polémique commence à pas mal gagner d'ampleur sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais un petit peu savoir ce que vous, vous en pensez, etc. Parce que là, de plus en plus, moi j'ai envie de streamer ce jeu, etc. Bien que je ne cautionne absolument pas les propos de l'autre cinglé. Mais j'ai remarqué qu'en ce moment, il y a pas mal de polémiques là-dessus. Et j'aimerais un petit peu en discuter avec vous. Donc on en discutera pendant le stream. Si Noxie accepte de me lâcher. Tu me lâches, mon chat? Allez, tu me lâches, mon chat. Voilà, allez, sur son petit pouf. Et nous, on va s'asseoir ensemble. Alors, on s'assoit parce que je me fais vieux. Bon, j'espère que chez vous, il fait pas si autant que froid que chez moi. Parce que je vais pas vous mentir, quand je suis rentré chez moi tout à l'heure, il faisait 10 degrés. Voilà, donc j'avoue, je ne vais pas vous mentir, 10 degrés en rentrant chez moi, c'était pas tolérable. Voilà, donc c'est tu es là. Et merci Choki pour ton lurk, merci beaucoup. Pour ton lurk, mais attends, toujours plaisir d'être lurk. Et merci pour ton resub, pardon, c'est que j'ai lu ton message en même temps. Merci beaucoup, merci, 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 ça fait super plaisir. Merci, merci, merci. Attends, j'ai oublié mettre le petit hop, le petit hype, si ça veut bien. Ah bah non, ça ne veut pas, bah pourquoi, bah alors. Voilà, on est tout bon. Et coucou Billy, comment tu vas? Je sais pas du tout les actifs du jeu, ça m'intéresse, oui. On en parlera juste après. Et coucou Ryanushka, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Un petit peu froid dans mon appartement, là j'ai dû mettre le chauffage, il faisait 11 degrés quand je suis arrivé. Autant vous dire, 11 degrés, c'était pas possible. Genre, je m'étais dit, je vais perdre un orteil, ou mes doigts, à force de pianoter sur le clavier. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Alors attendez, je regarde juste un petit truc, j'ai eu un petit message, hop. Voilà. Alors... On va passer sur le jeu. On va passer sur le jeu. Alors forcément, ça remet la petite alerte. Je m'assure juste que les... Ouais, c'est bon, les centres d'alerte seront bien entendus. Et on va mettre la petite musique comme d'habitude. Voilà. Moi, c'était le bordel au lycée. Des filles se sont insultées et c'est parti en bagarre dans ma classe. Ah bah génial! Ah oui, en effet, c'est sympathique. Je sais que il y avait une bagarre générale entre des filles au lycée, au collège. Au lycée, on n'avait pas. En fait, au lycée, je crois qu'il n'y a jamais eu de bagarre, ou j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu. Au collège, on avait littéralement tout, à toutes les récréations. Mais au lycée, on n'avait pas. Au collège, par contre, je me souviens d'une bataille générale où t'avais toutes les meufs qui se tapaient dessus, là, on n'avait pas trop compris pourquoi. Et la CPE s'était pris une mandale.
genre assez. Je me souviens encore de la claque. Tout le monde l'a entendu dans la cour et avec un silence. Du coup, il y avait une meuf qui avait giflé la CPE, quoi. Hey, coucou Clo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, la salle de sport, ça te plaît? Alors, la salle de sport, me dire que la salle de sport me plaît est un grand mot, je pense. Disons que je commence à voir les résultats, puisque ça y est, j'ai enfin eu le temps d'aller sur leur espèce de balance de la mort qui tue là-bas, pour savoir un petit peu ce qu'il en est par rapport à mon poids, mais vraiment de manière détaillée. Parce qu'en fait, il est inutile de savoir son poids si derrière, en fait, on n'a pas le pourcentage de masse graisseuse, de masse osseuse, de masse musculaire, de taux d'eau également qu'on a dans le corps. Et du coup, il a fallu aller sur une balance bien spécifique dans une autre salle de sport à Orléans. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc voilà. Et donc, du coup, je suis plutôt satisfait des résultats, même si quand je suis monté sur la balance, en fait, il s'avère que j'ai pris du poids. Alors, vous tenez-vous bien. J'ai pris du poids depuis que j'ai commencé à faire... Enfin, j'ai repris du poids depuis que j'ai commencé à faire du sport, mais j'ai pris du muscle. Voilà. En fait, là, actuellement, avec mes 2 mois de sport, pour mon 1m80, j'ai l'ossature et la... comment ça s'appelle ? Ils m'ont dit que j'avais l'ossature osseuse et surtout l'ossature musculaire parfaite pour une personne de ma taille. Maintenant, j'ai juste du gras en trop, entre guillemets, et c'est ça qu'il faut que je perde. Et là, du coup, maintenant que j'ai réussi à me remuscler, parce que de base, je ne l'étais pas, je me suis remusclé certaines parties de mon corps qui ne l'étaient pas, et ben normalement, ça devrait être plus simple pour moi de perdre le poids que j'ai en trop, puisque là, c'est juste de la masse graisseuse que j'ai à perdre. Et coucou Clara, comment tu vas? Donc voilà, donc plutôt content par rapport à ça. Moi, mes efforts payent. Voilà. Est-ce que vous pouvez me certifier que vous entendez bien la musique? Alors moi je l'entends à peine dans mes oreilles. Alors elle n'est pas supposée être super forte, je vous rassure, elle est juste supposée être un petit peu en fond, genre en mode tout doux. Je vais enlever par contre le diaporama, hop là, il n'y a rien à faire là. Super, ça te plaît. Bah, en vrai, c'est pas que ça me plaît. En vrai, je n'aime pas faire du sport. Hein. On va pas se mentir, je n'aime toujours pas faire du sport. Mais disons qu'il y a quand même un effet de satisfaction quand je sors du truc. Ouais, on entend un peu aussi. Hop là. Alors, bien sûr, c'est d'aller faire une grosse bêtise. On est pack, jeu de base, plus... écologie, voilà. Très léger, oui. Et coucou Joy, comment tu vas? Je passe vite fait pour te poser une question. Je n'ai pas accès à tes 2 derniers streams, ils n'apparaissent pas. C'est un souci de mon côté ou du tien? Alors, normalement... Alors, des 2 derniers streams, c'est étrange. Alors, c'est normal que tu n'aies pas encore accès à mon dernier stream, donc celui de... Parce que hier, il n'y en avait pas. Ça, c'est logique. Par contre, que tu n'aies pas accès à celui de dimanche, c'est normal. Celui de dimanche, en fait, j'ai eu un petit souci. Il y a certaines de mes infos personnelles qui ont fuité sur le stream sans faire exprès. Et en fait, je les ai enlevées de Twitch et je vais uploader la rediffusion sur YouTube pour demain matin. Parce qu'en fait, il faut que je fasse du montage pour enlever les petites infos perso qui ont fuité. Tout simplement. Merci, Patty, pour le follow. Et coucou, Ellie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On va mettre ça ici. En réalité, on avait presque terminé. Ouais, je crois qu'il nous restait plus que cette chambre à faire, en fait. Mais voilà. Je vois qu'on s'approche doucement, mais sûrement, des 7900, parce qu'on est déjà 7872. Donc voilà, donc très très hâte. Et coucou Johanna, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et coucou Anaïs, je pose mon lurk vers vous ce soir. Pas de soucis Anaïs, merci à toi pour ce petit lurk. Ça fait super plaisir, j'espère que tu as passé une bonne journée. Voilà. Et bien à toi, écoute, ça va. Ça va, ça va, ça va. Et coucou Nightmare également, comment vas-tu? Donc, je pense qu'on va peut-être mettre ça. Quoique c'est pas très joli. C'est dégueulasse. Comment, en allumant les cibles, on peut directement partir en construction sans choisir le foyer? Tu cliques sur les 3 petits points et tu cliques sur gérer les mondes. Voilà, comme ça qu'il faut faire. Fatigué toi? Écoute, ça va. Ça va, ça va, ça va. J'ai un petit peu très froid dans mon appartement à l'heure actuelle. J'ai dû mettre le chauffage.
Oui, je suis un irréductible. Une personne irréductible qui ne voulait pas mettre le chauffage. Non pas par souci d'écologie ou de je ne sais quoi, même si, bien sûr, il faut faire attention avec l'écologie quand même. C'est juste que payer 4 à 5 fois le prix normal, je suis pas d'accord. Je préfère dépenser mon argent autrement que dans le chauffage. Du coup, bah, dites-vous que depuis le mois de décembre, je crois que j'ai dû mettre que 6 fois mon chauffage. Et quand je dis 6 fois, c'est que j'ai dû le mettre 6 jours. J'ai dû mettre mon chauffage 6 jours depuis le mois de décembre. Là, je dois vous avouer, aujourd'hui, ça fait le 7e jour. Il faisait trop froid dans mon appartement. Je suis rentré, il devait faire 11 degrés max. Il faisait trop froid. Donc, je me suis dit, faut pas déconner quand même. Hop. Pareil, j'ai allumé un peu. Là, ouais, j'ai allumé. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Sachant que j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. J'ai eu des chèques énergie. J'ai reçu des chèques énergie. Donc, je me suis dit, bon. Et ben, le chèque énergie, il va être utilisé pour ça. D'ailleurs, j'ai une petite question pour les gens du chat. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au niveau d'Internet? Est-ce qu'ils sont chez Orange en ce moment? Et j'ai une petite question, si jamais vous êtes là-bas. Moi, ok. Parce qu'en fait, je vous explique. Alors, en vrai, ce n'est pas, il n'y a rien de grave. Au contraire, c'est plutôt positif. Mais en fait, je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai reçu le SMS qui m'indique que je vais avoir ma facture pour le mois prochain. Sachez que je paye très cher d'Internet et de téléphone portable. Je paye 70 euros par mois pour avoir la fibre et avoir une connexion Internet avec un téléphone portable, avec la fibre. Bref, je suis un peu pigeon sur les bords, je le sais. Mais au moins, je suis sûr que je capte partout et que je n'ai pas de soucis de téléphone et de fibre. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Le mois prochain, je vais payer, au lieu des 70 euros habituels, je vais payer 20 euros. Est-ce que vous savez, si vous aussi c'est pareil, parce que vous avez eu une réduction ou parce qu'il y a eu une promo, j'ai cherché partout sur Internet et je n'ai pas la moindre idée de pourquoi j'ai une réduction de 50 euros pour le mois prochain. J'ai regardé mes mails, j'ai regardé sur la plateforme, j'ai même regardé ma facture. Ma facture n'a aucun sens. Ma facture, tout est divisé par 3. Et je sais pas ce que c'est, et vous doutez bien que je vais pas m'amuser à demander à Orange. Genre, je vais pas m'amuser à demander à Orange, mais c'est normal que je paye que 20 euros. Parce que... mais en fait, j'ai regardé la facture, et c'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, tous les montants sont divisés par 3 sans aucune raison. Parce que d'habitude, c'est marqué. Et là, j'ai rien écrit. Juste un manque de chance, on essaye de faire notre carte grise pour la nouvelle voiture. Attends. Il y a des emmerdes deux fois au garage, ça fait une semaine et demie qu'on l'a. Ah ouais, merde. Première fois, j'y vais. Oh, le collègue qui s'occupe, ça y est, est parti trop tôt, revenez un autre jour. On revient, vous êtes arrivé à 18h, on arrête de les faire à partir de 17h. Oh là là, on y va à 15h. Oh, on a une panne des machines. Oui, ça commence à faire beaucoup, en effet. C'est pour ça qu'elle n'est pas contente de la minette. Non, parce que Noxy, la vie est belle. Hein. Elle a son petit pouf avec une bouillotte dedans. Je pars le matin, je lui mets la bouillotte. Oh, elle est contente. Hein. J'aurais adoré. Et coucou Mélanie, comment tu vas? C'est bizarre, je ne veux pas vraiment te dire, j'ai plus d'internet depuis le 9 décembre. Oh, ma hantise depuis avoir internet. C'est une remise. Bah, en vrai, de vrai, c'est normalement, c'est même pas une remise. J'ai vraiment regardé. Hein. J'ai regardé, parce que d'habitude, c'est écrit. Normalement, vous avez le montant que vous devez payer habituellement, et normalement, il y a écrit mon remise, et là, ils déduisent un montant. Sauf que là, vraiment, hein, quand je vais dans ma facture... Attendez, il retourne. Merde, j'ai poussé. Ah! Pas de notification. Facture. Voilà, je dois payer 20,80 €. Tu devrais essayer le jeu Slimer Rancher. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi comme jeu? Pas de raison en tout cas chez nous. Attendez, je vais regarder ma facture. En plus, je me suis amusé à regarder avant-après. En fait, j'ai comparé deux factures et c'est exactement les mêmes lignes, sauf que c'est pas les mêmes montants. Voilà, et je sais pas pourquoi. Vraiment, je comprends pas. Après, s'ils sont plantés, moi je dis pas non. Hein. Mais j'ai quand même regardé sur ma facture. J'ai quand même bien le forfait internet. Je m'étais dit, surtout, ils vont m'enlever internet, mais même pas. Donc je sais pas. Genre, je comprends pas. En vrai, tant mieux, je vais pas m'en plaindre. Mais j'ai pas envie qu'ils me les redemandent le mois d'après. Bah écoute, ça va.
Ça va. Je me posais des questions parce que j'ai une facture étonnamment basse chez Orange et vous doutez bien que je vais pas leur demander pourquoi est-ce que j'ai une facture basse. Ou alors peut-être qu'un viewer ou une vieweuse travaille chez Orange et a décidé de me faire bénéficier d'une petite ristourne. Si jamais c'est le cas, merci beaucoup. Hop. Ouais, c'est le problème. Bah oui, c'est ça en fait. Parce que en vrai, c'est cool. Mais en fait, je veux savoir c'est quoi. Est-ce que en fait, ils m'ont enlevé un. Genre, est-ce que je vais plus avoir un tête le mois prochain et qu'en fait, je suis pas au courant? Ou c'est juste parce que bah c'est une erreur et à ce moment-là, bah je me tais, je dis rien quoi. Ça vole ça ou pas? Ah merde, ça vole un peu. Élévation moins 0,025. Encore un peu. Moins 0,025. Hey, coucou Lucifred, comment tu vas? Tout le temps. T'attends de percer le secret de l'île afin de découvrir la véritable fonction de Béatrix de Rest et bâtir une magnifique serre dans laquelle élever des slimes et cultiver cette terre. Les murs de fer étincelants le feront une vue plongeant sur le paradis prismatique qui représente désormais son lieu de vie. Attends, tu m'as dit que ça s'appelait comment? Slime Rancher. Attends, je vais regarder sur internet. Alors, image. Fais attention qu'il te demande pas plus le mois prochain. Oui, bah oui. Oh! Ok. Ça fait très enfantin comme univers. C'est très coloré, c'est rigolo. Je connais pas du tout. Vraiment, je connais pas du tout. Ok, c'est un jeu de farming de ce que je vois. Bah, écoute, je me renseignerai un peu. Je me renseignerai pour voir. Pourquoi pas. Ça. Et coucou Jojo, j'espère que tu vas bien. Donc ça c'est une des chambres, là c'est la deuxième. On va peut-être un peu décorer ici. Un petit peu vide. On est à combien de Simflouz? Bah beaucoup trop. J'ai déjà regardé un streamer qui a joué au premier jeu Harry Potter, c'était top. Ah, je crois savoir de qui tu parles. En parlant du jeu Harry Potter, on va parler d'un petit peu d'un sujet épineux. Puisque là, même moi, je ne sais plus quoi faire. Vous savez que je suis un énorme fan de la saga Harry Potter. Vraiment, je suis un très très grand fan, de toute façon, ça se voit derrière moi. Et vous savez aussi que l'autre cinglé de J.K. Rowling tient des propos totalement intolérables et transphobes. Et qu'en ce moment, il y a pas mal de polémiques sur Internet, parce qu'il y a des gens qui estiment qu'on n'a pas à acheter le jeu Hogwarts Legacy à cause de ça. Et du coup, même moi, ça commence un petit peu à me saouler cette histoire. Parce que je sais pas sur quel pied danser. Parce qu'il est hors de question en effet que je cautionne les dires de cette ravagée. Mais le jeu, j'ai envie d'y jouer. Elle a pas du tout participé au développement du jeu. Le scénario, c'est pas elle qui l'a écrit. Elle n'a été impliquée aucunement dans le jeu. Et donc du coup, je sais pas sur quel pied danser. Parce que j'ai pas envie qu'en streamant le jeu, on se prenne une vague de gens et de haine. Tout ça parce qu'on stream un jeu où je ne fais absolument pas l'apologie de ce qu'elle sort. Au contraire, je lutte contre ce qu'elle dit. Mais voilà, du coup, je suis un petit peu... je sais pas sur quel pied danser. Je sais pas ce que vous, vous en pensez également de votre côté. C'est un sujet qui est ultra épineux. Et voilà, c'est un peu la merdasse, quoi. Et coucou Sandal, comment tu vas? Il me semble qu'elle ne touchera pas d'argent. Alors apparemment, étant donné que la licence lui appartient encore, du moins une partie de la licence, elle va toucher une certaine, une certaine somme d'argent quand même. Voilà. Alors on ne sait pas quel montant, on ne sait pas quel pourcentage. Est-ce qu'elle a déjà touché cet argent? Parce que si elle a déjà touché cet argent-là, entre guillemets, qu'on boycotte le jeu ou pas, le mal est fait. Donc en fait, je sais pas. En fait, je me renseigne si elle a déjà touché les sous. Elle n'a pas de lien avec le développement du jeu. Bah oui, c'est ça en fait. Je ne veux pas cautionner et y jouer aucun lien de corrélation entre les deux. Bah sur Twitter, ils sont toujours en train de se taper dessus par rapport à ça. Hein. Coucou Jenny. Pour moi, elle n'est pas impliquée, donc pas du débat. Et coucou à Légion, excuse-moi.
Bien, et toi, la discussion est sacrément sérieuse. Bah ouais, mais je sais, parce qu'en fait, je vois tellement de gens se faire taper dessus là en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport à ça que, en fait, j'ai pas envie que ça fasse un climat de tension sur la chaîne, parce que c'est clairement pas ça que je veux. Après, je sais, après, c'est Twitter. Après, je sais, c'est Twitter. Les gens ne sont pas mesurés. Je connais des gens qui sont trans. Et il y en a qui sont en mode, mais moi je vais jouer au jeu parce que bah, je l'emmerde, j'emmerde cette meuf et voilà, je fais ce que je veux. Et il y a d'autres de la même communauté qui disent, bah non, faut pas y jouer. En fait, personne n'est d'accord sur le truc, du coup, je sais pas du tout sur quel pied danser. Donc voilà un petit peu mon désarroi. Et oui. Oui, Twitter, ils sont un peu ravagés. Oui. Ah, oui, c'est. Non mais ça en fera pas les gens qui râlent pour rien, ils dégagent et c'est tout. Désolé, et c'est un simple coup de mémoire. Non mais si, mais c'est pour ça hein, je vous demande aussi. Hein. Donc voilà, donc on verra ce qui se passera. Mais, de toute façon, je vais le streamer, de toute manière, je veux le streamer. C'est un peu ridicule de mettre de côté tout un univers juste pour ça. Et puis Twitter, et un drama, c'est bon, je pense qu'on peut apprécier le jeu et l'univers sans nécessairement penser à sa créatrice. Bah, en fait, moi, franchement, ce qui serait cool... C'est qu'elle lâche Harry Potter. C'est genre, elle vend tous ses droits. Et qu'une fois elle a vendu tous ses droits, c'est bon, on est débarrassé d'elle, quoi. Ouais, genre, et qu'ils vont voir le jeu. Et au final, ils vont y jouer. Bah, en fait, je me dis aussi que. Alors, je suis une personne qui achète le jeu. Je me dis que en moi, en jouant au jeu, certaines personnes qui ne voudront pas. Qui vont être frustrées de ne pas pouvoir y jouer parce qu'ils ne veulent pas lui donner de l'argent. Vont quand même pouvoir jouer au jeu par procuration sans dépenser le moindre centime. Je sais pas. En fait, je sais pas si mon raisonnement est bon par rapport à ça. Je vous dis, c'est un sujet qui est ultra épineux. Yes, merci Sandal pour le avoir. Honnêtement, il y a peu de chances qu'elle le lâche. Bah oui, non, mais je sais. Il lui reste plus beaucoup de droits. Je sais pas s'il lui reste beaucoup de droits. Je sais qu'elle a vendu une grosse partie de des droits à Wizarding World. Bonne question, c'est une question de propriété intellectuelle. Même si elle vend les droits, ça veut juste dire que d'autres personnes peuvent utiliser la licence. Elle gagnera toujours autant d'argent. Oui. Après, elle est tellement millionnaire qu'elle est plus à ça près. Perso, je veux jouer par procuration. Mon ordi n'est pas assez puissant pour que je l'achète, oui. Elle dit ça, mais ça n'a aucun rapport. Mais cette armoire, elle n'est pas dans l'écologie. Non, elle est dans le jeu de base. Elle avait été donnée pour les 20 ans des Sims, je crois, si je me souviens bien. Elle a dit quoi, J.K. Rowling? J.K. Rowling, il y a maintenant quelques années, et elle continue malheureusement, elle tient des propos ultra transphobes, bah, du coup, contre la communauté transgenre. Et donc voilà. Donc, elle se fait cancel de partout, puisqu'elle tient vraiment des propos qui sont intolérables, hein, non mais vraiment. Et ça fout la communauté en rogne comme pas possible. Parce que, bah, en fait, c'est pas les valeurs qu'elle véhiculait dans ses livres, du moins on pensait. Et donc voilà, et donc bah moi je l'ai unfollow des réseaux, parce que je la suivais sur Twitter avant. En fait, la première fois qu'elle avait tweeté ça, moi, je m'étais dit, j'ai mal compris son tweet, parce que comme c'est un tweet en anglais, je dis soit j'ai mal compris, soit il y a un problème. Et j'ai suivi un peu la polémique et tout, et en fait elle a réenchéri derrière, et non, en effet, elle est ravagée la dame. Ouais, j'arrive et ça parle de J.K. Rowling. Ouais, Rina, coucou à toi. On discutait parce qu'en fait, moi j'aimerais streamer Hogwarts Legacy. Et qu'en fait, en ce moment, il y a pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux, d'abord sur Twitter. Après, je sais, Twitter, c'est cancer comme réseau, mais... Et en fait, j'aimerais pas que derrière, parce que je stream ce jeu-là, que derrière, en fait, ça vienne déverser de la haine sur le chat ou autre, parce que, en fait, je joue au jeu. Si tu pars de ce principe, tu revends toutes tes pop. Bah, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que, bah, moi, je suis un très grand fan de la saga. Je l'étais avant, je l'étais avant qu'elle fasse tout ça. Et aujourd'hui, en fait, moi, le problème, c'est que Harry Potter, en fait, bah, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, mais en fait, moi, Harry Potter, ça a littéralement sauvé ma vie quand j'étais enfant. Donc, moi, j'aurais pas eu Harry Potter enfant pour me raccrocher. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas honte à le dire. Aujourd'hui, je ne serais pas là. Aujourd'hui, je pense que je ne serais plus là s'il n'y avait pas eu Harry Potter enfant. Donc, en fait, ce truc-là, il est vachement ancré en moi et je ne peux clairement pas l'enlever. Genre, dès que je vais pas bien, dès que je déprime, je vais voir un film Harry Potter. J'ai les DVD, donc ils sont amortis depuis le temps.
Mais je vais regarder les DVD pour aller mieux, quoi. Voilà. Je pense que tu peux jouer et faire une déclaration claire en expliquant que tu te détaches totalement de J.K. Rowling. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un message, vous savez, dans le chat. Vous savez, comme le message des fois de Wisebot qui dit que vous pouvez vous sub, par exemple, avec le subprime. Je vais faire un message, je pense, automatique qui va popper, genre, toutes les 5 minutes dans le chat pour rappeler que les propos de J.K. Rowling sont intolérables, etc. Je vais essayer de faire un message assez clair et concis pour éviter que derrière, il y ait des amalgames qui se fassent. C'est que ça se, finalement ne retenir le temps de sa créatrice peut-être la plus belle forme de vengeance. Bah en fait je trouve que déjà les développeurs ils sont pas mal vengés par rapport à elle puisqu'ils ont fait en sorte que dans le jeu apparemment, alors on verra quand il sortira, mais apparemment on pourra incarner un personnage transgenre, donc déjà rien que ça, ça fait un pied de nez à l'auteur et ça je suis assez satisfait. Et coucou Po, comment tu vas? De toute façon l'autre dingo, c'est comme ça et c'est pas autrement. Boycott un jeu créé indépendamment par un studio uniquement parce que l'autre est pas de... ça n'a pas de sens. Ce n'est ni productif ni bénéfique pour la cause. En fait, je sais pas. En fait, je me renseigne un peu plus aussi, je pense. Mais peur de devoir se faire une déclat pour jouer à un jeu de son univers favori. Bah, je sais, mais c'est malheureusement le problème aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, j'ai entendu, mais franchement, pourquoi les gens s'acharnent à... Certes, je dis pas que je suis d'accord avec ces propos, mais il y a pire que ça. Ah bah, en fait, je suis... Enfin... C'est pas qu'il y a pire que cela, il est vrai que J.K. Rowling avant tenait des propos ultra problématiques. Aujourd'hui elle a quand même passé un cap, c'est qu'en fait elle donne des argent à des associations qui essayent un peu de calmer ce genre de truc. Et ça j'avoue, elle est passée un cran au-dessus là. J'ai un peu envie de dire, putain, elle a quel âge, elle, quand est-ce qu'elle va, voilà pourquoi elle arrête de nous saouler quoi. On peut aussi parler du Disney aussi que l'on soupçonne d'avoir collaboré avec l'Allemagne pendant la guerre. Bah en fait, en vrai de vrai. Je sais pas si vous avez regardé la série. Comment s'appelle cette série déjà ? Good Place. Je ne sais pas si vous avez regardé la série The Good Place. Mais en fait, je trouve que la série The Good Place, sous ses airs ultra comiques et tirés par les cheveux, a un message super important, notamment dans la dernière saison, où en fait, il est dit que, en fait, pour aller au paradis, bon, c'est le principe du paradis de l'enfer. Il est dit qu'en fait, quoi que tu fasses dans la vie, quoi que tu achètes, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu aimes, malheureusement, ça va venir derrière. Parce que, bah, imaginons, truc tout bête. Tu vas acheter un kilo de pommes. Sauf qu'en fait, et bah, ce kilo de pommes, bah, tu le sais pas. Bah, en fait, ou même tu le sais, mais en fait, ce kilo de pommes, bah, tu l'as acheté en fait, dans un magasin qui, en fait, est venu, qui est en train d'exploiter littéralement jusqu'au sang les pauvres agriculteurs. Qui, derrière ces agriculteurs-là, eux, ont pollué la nappe phréatique et qui ont tué en réalité des centaines de milliers de poissons derrière. Et en fait, c'est un effet boule de neige. Et en fait, aujourd'hui, dans la société actuelle où on est, c'est horrible parce que quoi que tu fasses, en fait, tu peux pas être réglo. Parce que, regardez, j'ai un iPhone. J'ai un iPhone, j'ai un téléphone portable. Ça, c'est fait par des gens qui sont exploités en Chine. Normalement. Pour des vêtements, c'est sûrement exploité par des gens qui sont soit au Bangladesh, soit qui sont en Thaïlande, soit qui sont en Chine. Et aujourd'hui, c'est ultra compliqué. Alors, on peut, à notre échelle, faire certaines choses, c'est vrai, mais c'est déjà ultra compliqué d'être ultra droit dans ses bottes sur toute notre manière de consommer. Et ça, la série The Good Place, dans ses airs vraiment très basiques et enfantins, dans la dernière saison, il l'explique, et en vrai, avec du recul, c'est super intéressant. C'est quoi l'Urk ? L'Urk, c'est le fait, en fait, de plus être sur le stream, c'est juste de laisser le stream tourner, mais de pas être forcément devant. Et pas de soucis, Mélanie, bon appétit à toi. Et coucou, Mylène, excuse-moi, on était sur un sujet super sérieux, j'espère que tu vas bien. Elle a quand même ouvert un centre médical pour les victimes de viol uniquement pour les femmes biologiques. Ouais, ça, voilà, c'est ça, en fait, moi, qui m'a trigger. J'étais en mode, oh la vache. Ah, ça, je ne savais pas. Mais bon, je comprends pas pourquoi boycotter un jeu où elle n'a même pas mis son nez dedans. En fait, c'est juste parce que la licence lui appartient. Après, le débat de rejeter l'œuvre entière pour les propos de les auteurs, on fait ça alors 90% des œuvres devraient être brûlées. Bah ouais. Merci, Clémence, pour le follow. Merci beaucoup. C'est peut-être plus intelligent de continuer à consommer les œuvres et étudier leurs auteurs en expliquant et en comprenant bien toutes les problématiques de ces personnes. C'est plus intelligent. Bah ouais, mais c'est pour ça que je voulais en parler avec vous parce que du coup je sais pas trop quoi faire. Et ça, hablando de J.K. Rowling, la historia de Fabria, no, he visto de. Sí, eso, estaba hablando de eso. Es que quiero hacer el juego Hogwarts Legacy. Pero, con los problemas de J.K. Rowling, es un poco.
No quiero que hay problema en los stream por eso. Quiero hacer stream en este juego, pero va a ser un poco complicado, me parece. Je suis totalement d'accord avec toi pour cette série. Il y a vraiment deux lectures, un côté comique et une morale derrière tout ça. Mais c'est ça, hein. Si, he visto. Merci beaucoup, hein, du coup, Clémence. On est bientôt au 7900. Merci beaucoup. Merci. Harry Potter égale J.K. Rowling et les gens ne réfléchissent pas plus loin. Mais oui, non, mais en fait, aujourd'hui, pour moi, en fait, Harry Potter, c'est plus égal à J.K. Rowling. Ça fait longtemps que pour moi, ça ne l'est plus. Hé, hey, coucou, I love Hogwarts, comment tu vas? Donc, on fait nos chasseurs d'hérétiques et on brûle tout. Bah, en fait, c'est un peu compliqué. C'est un sujet de société qui est super compliqué en ce moment. Et pour plein d'autres sujets. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais ouais. Et coucou Robert du 30, comment tu vas? Et coucou Pombo Beurre également. Lo entiendo. Es complicado de tener ganas de jugar a Ghost Legacy y no querer apoyar en nada de que venga la peste. Eso sí, es eso. No quiero apoyar a esta loca, porque ahora pienso que Jikarung es totalmente loca. Pero quiero jugar al juego. Porque quiero jugar a este juego desde que estoy niño. Nunca había un juego así. Nunca habíamos un juego que aparecía a Hogwarts Legacy. Y ahora que vamos a tenerlo, quiero jugarlo. Es el Clemente, es Mr. C que tiene 29 años, pero dentro de mí es el niño que tiene 11 años y que descubre Harry Potter. Quiere jugar también es. Con beaucoup de dilemmas, la question est peut-être... Peut-on s'en passer? Pour toi, Harry Potter est une question d'équilibre. Au moment où ta position est claire, il n'y a pas de débat. Et bien, et toi, écoute, ça va. Ça va. Ça va bien, et toi, écoute, ça va bien également. Merci à ceux qui me follow sur TikTok. Après, la question, est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'auteur? En vrai, c'est super compliqué. Parce que, en vrai, de vrai, je suis pas d'accord pour ça. Parce que, il y a certains. Enfin. J'ai pas envie de faire du cas par cas. Mais il y a des trucs, c'est pas tolérable. Enfin, parce qu'en fait, non, parce qu'elle dit, c'est pas tolérable non plus. En fait, c'est ultra compliqué. Parce que je suis d'accord pour le faire. Mais des fois, je suis en mode, ah oui, mais... Donc, en fait, je sais absolument pas quoi répondre à cette question. Vraiment, je sais pas quoi répondre à cette question. Yo tendría actitud de fuck it y jugaría igualmente. Tendría que a cierto sector sus seguidores le mostrarían y con razón, pero esto con él. Sí, eso sí. Pero voy a jugarlo, pero voy a escribir un mensaje en el chat que se pone automáticamente todos los 10 minutos para decir que yo no apoyo J.K. Rowling. Et merci Génération Cluedo, merci à toi pour le follow, ça fait super plaisir, j'espère que tu vas bien. Avant j'avais le jeu Harry Potter à l'école des sorciers sur ordinateur, c'est tellement bien. J'ai joué au jeu Harry Potter, mais pas tant que ça en réalité. Je vais sur Game Boy. Je vais au tout premier. Claude, tu es sur. Pardon. Attends, tu as dit quoi? Génération Club. Pardon. Je l'ai lu trop vite. Et c'est le Génération Club d'eau. Donc, je pense pour Génération Club Dorothée. Excuse-moi. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu trop rapidement. Ça dépend un peu à quel point la personnalité et les opinions des auteurs transparaissent dans son œuvre aussi. Ouais. Ça va, hier j'ai acheté Pokémon Arceus et c'est trop cool les graphismes, j'adore. Au début je pensais que c'était un jeu sans intérêt, mais maintenant je retire ce que j'ai dit sur le jeu est trop cool. Bah écoute, tu sais quoi, c'est I Love Hogwarts, j'ai fait des streams dessus, si tu veux il y a les rediffs sur YouTube. Et coucou Johanna, comment tu vas? Et coucou Mea, comment tu vas? Débat intéressant. En vrai, si on devrait boycotter ou censurer chaque œuvre d'artiste, il en resterait plus beaucoup. Bah, c'est... Enfin, en vrai, c'est, enfin, comme je dis, c'est ultra compliqué. J'ai pas envie de dire qu'il faut faire du cas par cas, mais des fois, enfin, il n'y a pas de trucs plus horribles, des trucs... Enfin, il n'y a pas des choses qui sont plus horribles que d'autres, à partir du moment où, bah, en fait, tu décides que certaines personnes ne doivent pas vivre, ou tu te dis, bah, en fait, non, ces personnes-là, c'est hors de question, elles ne doivent pas avoir de droit. Déjà, à partir du moment-là, c'est problématique. Mais... Je vais boire de l'eau, ça me saoule. Voilà, je vais boire de l'eau.
Mais ouais, donc comme je vous disais, ouais, c'est. Ça me saoule. Ça me saoule, mais je vais y jouer. Je vais quand même y jouer. Je vais y jouer. Je mettrai juste un message sur le chat. Et puis voilà. Je sais pas si ça rendrait bien de mettre ça ici. J'aime bien de mettre des petits rideaux, ça rend plus chaleureux. Après, même si tu ne joues pas, elle sera pas moins riche que maintenant. En fait, ce que je ne sais pas, et ce que j'aimerais me renseigner, est-ce qu'elle a déjà touché les sous? En fait, parce que si elle a déjà touché les sous, en fait, ce débat de boycott ou pas, c'est pas qu'il est stérile, mais c'est que du coup, elle a déjà touché les sous, donc on l'achète ou qu'on l'achète pas, ça reviendra au même. Mais je vais essayer de me renseigner un petit peu par rapport à ça. Je vais essayer de me renseigner par rapport à tout ça. Hop. Ouais, donc non, sujet important ce soir. Mais faut vraiment que je me renseigne plus. Faut que je me renseigne plus par rapport à ça. Où est-ce que tu en es de la réno de Evergreen? Bah écoute, on a terminé le premier quartier, là on est sur le deuxième, on a déjà terminé l'appartement qui est ici. Là, celui-là, on l'a terminé globalement, c'est que là, on blablate sur un sujet qui est quand même relativement important. Il y a la commande planning? Non, il n'y a pas la commande planning, c'est vrai, je ne l'ai pas faite. Je pourrais. Quoique, si, attends, je crois qu'il y en a une, mais je crois qu'elle est vieille, je crois qu'elle est plus bonne du tout. Attends. Non, je l'ai désactivé, c'est bon. Après, tu as sûrement des dividendes sur les ventes. Mais déjà sûrement en avance. Franchement, je sais pas. Ouais. Enfin, je me renseigne. Hey, coucou Morel. D'accord, ça va bien. J'espère que toi aussi. Attendez, on caresse Noxie. Ce Noxie, elle veut des caresses. Mais je sais pas. À mon avis, alors, faut savoir que mes voisins d'en face, je pense que la madame était enceinte, puisque depuis maintenant plus d'un mois, j'entends un bébé pleurer régulièrement. Alors, ça ne me dérange pas, en vrai, parce que la chambre du bébé doit être à l'autre bout de l'appart, de leur appart, et donc du coup, je les entends juste quand le bébé pleure dans le salon. Et je pense que la journée, le bébé doit beaucoup pleurer, et je pense que c'est pour ça que Noxie m'embête le soir. Parce qu'elle panique. En fait, elle panique quand elle entend les bruits de l'autre côté du mur et qu'elle comprend pas pourquoi. Je pense que c'est pour ça. À mon avis, c'est ça, mon chat. C'est le bébé d'en face qui te perturbe. Ça a bien merci. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Mais écoutez, je pense que cette maison, elle est plutôt pas mal. Enfin, cet appartement, on a oublié la poubelle, par contre, dans la cuisine. Quel est le programme de ce soir? Eh bien, écoute, on continue de rénover Evergreen Harbor. Et puis là, on discutait un petit peu d'un sujet sérieux tout à l'heure. On discutait un petit peu parce que comme je veux streamer le jeu de Hogwarts Legacy, Noxie, qu'est-ce que tu fais? Je voulais streamer le jeu Hogwarts Legacy et tout, avec toutes les polémiques qu'il y a autour du jeu, bah voilà, on discutait un petit peu de tout ça. Oh oui, mon chat. Des fois, j'avais... il te reste quel monde? Bah, en fait, ils sont dans l'ordre. Je les ai fait dans l'ordre, donc il m'en reste moins de la moitié. Il me reste un quart, je crois. Bah oui, mon chat. Des fois, j'avais envie de vous dire, des fois, j'avais envie de me réincarner en chat pour plus avoir ce genre de problème de société. Si je me réincarne en chat, je passerai mes journées à manger, à boire, à aller dormir. Ah, il y a déjà des polémiques. Oui, Morel, en fait, il y a des polémiques pas par rapport au jeu en lui-même, qui pour l'instant, on n'a pas eu d'informations comme quoi il y a eu des problèmes de développement. C'est par rapport à J.K. Rowling, en fait. T'as fait Solani? Ouais, déjà fait Solani, il est rénové et tout est sur la galerie. Tellement complexe ce débat. Et si cela peut te conforter dans ton choix, il semblerait que d'autres streamers, Trinity par exemple, vont jouer tout en ayant conscience que la personne derrière est caca. À voir comment la communication est gérée sur le sujet. Mais l'idée de message disclaimer me semble très bonne et raisonnable. Bah, c'est ce que je vais essayer de faire. Et puis, quand on me posera la question en chat, sur le chat, je répondrai aussi. Mais pour ça, il faut vraiment que je me renseigne, etc. sur quelle est son implication réelle dans le jeu. Parce que, franchement, on entend tout et n'importe quoi. Vraiment, on entend tout et n'importe quoi. Je vais devoir me farcir. Et ça m'emmerde de faire ça. Mais je vais devoir le faire pour pouvoir répondre. Je vais devoir me farcir les tweets de J.K. Rowling pour savoir ce qu'elle dit exactement. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui disent des trucs qui auraient été... Alors, ok, la meuf, c'est une grosse connasse. Mais c'est un truc qu'elle a pas dit. Genre, il y a des gens qui disent, oui, elle a dit que si on achetait le jeu, c'est qu'on était d'accord avec ce qu'elle pensait. Je me suis renseigné, elle a pas dit ça. Elle a dit un autre truc. Alors, ça reste pas moins, attention, hein, ça reste pas moins exécrable ce qu'elle a dit. Mais elle a dit qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme elle...
et qu'ils ont juste peur d'être d'accord avec, enfin de dire sur les réseaux qu'ils sont d'accord avec elle, mais ils ont peur que, enfin, parce que les gens ont peur de se faire taper dessus par la communauté. Elle a dit ça. Et en fait, du coup, les gens ont extrapolé en mode ouais, bah, ces gens qui achètent mon jeu sont d'accord avec moi. Mais je dis, c'est une grosse salope, ok, d'accord, mais elle a pas dit ça quand même. Donc, voilà. Bah en fait, elle a juste, en fait, elle a, on lui a, apparemment, ils lui ont payé les droits parce que, bah, en fait, J.K. Rowling, ça lui appartient, Harry Potter, en fait. La saga lui appartient, une partie lui appartient. Donc, une partie des sous lui revient. Ah, Noxy, doucement. Pas une partie des sous. Elle a, on a dû lui payer, ils ont dû lui payer, à mon avis, le droit, de, le droit pour exploiter le sujet, quoi. En vrai, on a tous rêvé de devenir un chat. Je pense aussi, ouais. En tant que chat, tu pourrais pas jouer aux Sims seulement avec les souris. C'est vrai. Hey, coucou Sandy, comment tu vas? Mais voilà. Donc, pour ça, tout ça, je dois me renseigner pour savoir exactement ce qu'elle a dit. Donc, en vrai, ça m'emmerde. Je vais pas vous mentir. Ça m'emmerde vraiment de devoir lire tous ces tweets parce que je me suis. Je l'ai unfollow. Je crois que je l'ai même. Je sais plus si. Non, je crois que je l'ai pas bloqué. Je l'ai restreint. Je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que je l'ai restreint ces tweets pour que si des gens retweetaient, je le vois pas. Ce qu'elle fait pas, on ne l'oublie pas. Ouais, non, je te jure. Oui, enfin, disons que si elle veut pas qu'on l'oublie, à la limite qu'elle fasse autre chose. Bon, pas de devenir transphobe quand même. Ou alors peut-être qu'elle l'était déjà depuis très longtemps, mais en fait, dans ses œuvres, je trouvais pas que ça se ressentait. Et coucou, Manois. Tu vas bien? C'est la rénovation des mondes? Ouais, c'est la rénovation des mondes, et ouais, ça va bien. Vu que toi, tu aimes pas le gameplay des Sims, t'as fait une partie ou plusieurs? Non, j'ai plusieurs parties, j'ai plusieurs sauvegardes, hein, mine de rien. J'ai juste regardé, j'ai oublié de mettre le papier toilette. Et après, vous savez quoi? On va uploader la maison, enfin cet appartement-là dans la galerie. Laisse-moi l'heure que je joue à côté. Ok, Mylène, il n'y a pas de souci. Bon jeu à toi. Ça veut dire quoi, Lurk? Lurk, en fait, c'est tout simplement quand tu n'es plus... En fait, tu vas faire autre chose. En gros, tu vas juste laisser la fenêtre du stream ouverte, mais tu vas pas être spécialement sur le chat. C'est soit tu vas aller manger, soit tu vas aller regarder un film, soit tu vas aller jouer à un jeu vidéo, soit tu me laisses... Des fois, les gens vont juste me laisser... En fait, c'est laisser quelque chose en fond, c'est laisser la vidéo tourner. Voilà. C'est être là sans réellement être là, pour faire simple. Bah écoutez, ce petit appartement, moi, je l'aime bien. Donc, on va le laisser là-dessus. Hop, on va le laisser là-dessus. On va rester là-dessus. On va... Attendez, je l'avais pas déjà fait. Non, je l'avais pas fait. Pour pouvoir uploader ça correctement dans la galerie. Voilà, on va devoir faire ça. En gros, un soutien passif. Exactement, Sandal. Exactement ça. Alors, voyons voir. Ici, on a de la brique des... Mais regardez comment j'ai trop bien construit ici, en fait. Hop! On va faire ça. On va faire ça. Oh, ici, puis là, j'ai très très hâte d'être ce week-end. Et là, ce week-end, pas mal de petites choses qui vont se passer. Puisque ce week-end, je vais dans le sud. Puisque je vais retrouver la copine de Cyril Soinel et la team S404. On sera enfin au grand complet. On sera du coup avec Lucaela. On sera avec Fissourine, avec Moon. Cyril et moi-même. On sera du coup pour la pendaison de crémaillère de Cyril. On sera également pour le Secret Santa parce qu'on s'est offert des cadeaux pour Noël. La personne que j'ai tirée au sort, la personne elle n'est pas prête pour ce que je lui ai offert. Vraiment, la personne n'est pas prête. On vous fera des stories. Et voilà. Et puis il y aura d'autres gens aussi. La pendaison de crémaillère de Cyril. Il y aura également il y aura Nota et Nota Bloetta qui sera là. Et puis bah, d'autres gens. Donc on vous fera des petites stories, tout ça, tout ça. Bonjour, oui, ça c'est beau, c'est stylé le canapé, donc c'est celui d'écologie. Ouais, c'est deux canapés, c'est un canapé d'écologie que j'ai créé en canapé d'angle. Tu as raison de vouloir te renseigner sur le sujet, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vraiment une question propre à chacun, une question éthique en fonction de tes valeurs et de ce que tu veux promouvoir sur ta chaîne. Bah, en fait, moi je veux promouvoir, vraiment, c'est le but de ma chaîne, c'est une safe place où en fait tout le monde est le bienvenu. Et voilà, et c'est vraiment un endroit safe que je veux promouvoir. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui ma chaîne l'est, et j'aimerais pas que, parce que je joue à ce jeu, que les gens pensent qu'en fait ça ne l'est pas. Pas du tout.
Il fera ça va voir chez Cyril, couvre-toi bien. Ah ouais? Moi je pensais qu'il allait faire chaud. Et coucou Lolo, comment tu vas? Toujours de la part sur la personne. Ouais, t'as vu, hein. C'est toujours en l'heure vu que je bosse avec. Bah c'est un petit peu ça, ouais, c'est exactement ça. Bon, on va uploader ça sur la galerie. J'ai juste récupéré les hashtags. Yes. Et alors, en fait, je veux juste me renseigner sur. Je vais pas vous mentir, j'ai Caroline, bah, ça fait bien longtemps que je l'ai unfollow sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, en fait, je suis pas au courant de tout ce qu'elle dit. Des fois, je vois parce que ça remonte dans les polémiques Twitter. Mais je ne tiens plus compte de ce qu'elle dit parce que bah, je suis totalement conscient que ce qu'elle dit, elle dit de la merde, quoi. Ça va, je révise le brevet. Oh, bon courage! Donc, le problème hypocrite, car dans le cas, il faudrait enquêter sur tous les jeux et les films que l'on regarde. Bah, en vrai, si on suit le raisonnement. En vrai, je pense que quasiment 90% des films aujourd'hui, si on regarde les réalisateurs, il n'y en a aucun qui sont réglo. Si on regarde. Mais voilà, mais après. En fait, c'est ultra compliqué, c'est comme je disais, c'est un sujet qui est super chaud. Donc voilà. Donc faut que je me renseigne. Comment tu fais pour avoir un motif de sol en diagonale? Comme ce que tu as fait avec la cuisine. Tu appuies sur la touche CTRL et F de ton clavier, tu vas pouvoir faire des triangles en fait avec ton sol. Beaucoup d'artistes, c'est une connasse. Mais ces créations n'en restent pas pour autant sublimes. Ah, c'est bien le problème. Parce que ses œuvres seraient nulles. Ce serait pas une connasse, ce serait le voilà. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression qu'elle a viré connasse du jour au lendemain. Alors peut-être qu'elle l'était de base avant, et en fait, on l'avait jamais remarqué. Parce que des fois, moi, j'ai cette impression-là. Je me disais, mais c'est pas possible. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop. Elle a pris le melon. Ouais. Le problème, c'est que est-ce qu'on sacrifie le travail de 100 personnes pour un comportement d'une? Bah, il y a ça aussi. Ouais. On est d'accord qu'il y a un problème là. J'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. Elle a toujours été homophobe. Mais elle le disait forcément, je pense. Homophobe? Non, elle n'est pas homophobe, J.K. Rowling. Elle a elle-même dit qu'il y avait une histoire d'amour entre Grindelwald et Dumbledore. Donc, pas sûr. Transphobe, peut-être. Mais homophobe, ça m'étonne. On parle de J.K. Rowling. Je ne sais pas trop quel angle de vue mettre. Peut-être celui-là, le meilleur. Alors, carrière et divers, le hashtag, on met ça, voilà. Et ici, on va mettre, alors, res. Point. Je sais plus si on avait marqué des pierres, on avait mis. Hop, 4, Reno. Voilà. J'aimerais installer les sites sur le PC de l'école, mais je ne sais pas si on sait le désinstaller et ne laisser aucune trace. Alors, je sais pas si le PC de ton école va te l'autoriser, Madoua. Après, c'est possible de le désinstaller. Tu peux parfaitement le désinstaller sans aucun problème. Tu vas dans Bureau, désinstaller un programme, tu cliques dessus, désinstaller. Et coucou, Soye, comment tu vas? Donc, en fonction, fais ce que tu veux. Oui! Mais je dois faire ce que je veux, mais comment dire? Enfin, c'est pas en faisant attention, mais en expliquant les choses. En soi, même si elle le pense, elle devrait pas le dire à partir du moment où elle a un minimum connu. Ni le dire tout court, d'ailleurs. Oui. Tu auras toujours des pas contents dans la vie. C'est pas tout blanc ou tout noir. Non, mais c'est sûr. Mais oui, bien sûr. Allez, hop. On va uploader ça sur la galerie. Est-ce qu'on a mis... Ouais, on a que du écologie, c'est parfait. On a terminé cette construction. Et ça, c'est un bon point. Hey, coucou Adeline, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci pour les applaudissements. Merci, merci. Le débat sur Twitter, c'est un débat blanc ou noir. Bah, c'est ça, en fait. En fait, il faut que j'arrête avec Twitter. En fait, j'idéalise le vieux Twitter. Parce qu'avant, sur Twitter, t'avais des débats, certes. Mais là, quand même... Les débats sont devenus stériles sur Twitter. Tu peux rien dire. Que t'aies tort ou que t'aies raison. Hein. En fait, tu te fais éclater la tronche, quoi que tu penses.
mais sur n'importe quel sujet. Ok, donc ça c'est fait. Twitter est une poubelle. Ouais, et puis ça s'est pas arrangé depuis qu'Elon Musk, là, il a pris la tête du réseau. Everian, c'est le monde de quel pack ? Écologie ! En fait, Twitter, j'ai réussi, moi, à me créer une petite bulle. En fait, c'était avant que je stream. Avant que je stream, j'avais réussi à me créer une petite bulle sur ma Twittosphère, qui était relativement safe. Et maintenant que je stream, cette bulle, elle est beaucoup plus grande, on va pas se mentir, par rapport à avant. Je suis pas extrêmement connu, attention, je dis pas ça du tout. Hein. Mais disons que ma sphère de, je vais pas dire d'influence, mais ma sphère de contact, c'est énormément agrandi, ça c'est totalement vrai. Et donc du coup, ouais, maintenant j'ai accès à plus de cercles qui, du coup, sont pas très cool. Je suis pas très content de les voir. Et religion. Coucou Sophie, comment tu vas? Mais même dire un truc ultra banal, genre j'aime le parquet, ça peut se tourner contre soi. Ouais, moi j'aime le parquet en pointe de Hongrie. Change de sujet. Mais est-ce que tu as fini la maison? Ouais, Elise, on l'a terminé. On l'a terminé. Maintenant, on est sur l'appartement de la, enfin le loft pour être exact, de la série Jess. De Jess, n'importe quoi, de la série New Girl. Et coucou Luna, comment tu vas? Moi j'ai utilisé Twitter juste pour voir les publications des Sims et c'est tout. Oui, bah oui. Et quel mode que tu utilises pour avoir les mondes aussi détaillés? Hop là, tu fais exclamation mode dans le chat. Voilà. Et ici tu as tous les modes que j'utilise et c'est le mode 20th Century Plumbob, pardon. Et je stream jusqu'à 22h, ouais. Noxy, je veux bien arrêter de m'embêter mon chat, hein, parce qu'il faut quand même que je stream un peu. On va faire la starter. On va faire la starter qui est ici. Alors la starter elle est trop grande, enfin le terrain est trop grand. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire deux maisons sur ce terrain. Une fausse et une vraie. On va faire une maison là, qu'on va réutiliser celle du débogage. Et en vrai je pense qu'on va faire une maison comme ça. Alors j'ai un peu peur de la gueule qu'elle va avoir, mais on va faire une maison comme ça. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer... On va la déplacer là comme ça, voilà. Et on va venir tout simplement recréer ce terrain-là. Meilleure qualité ici. Et coucou Adeline, comment tu vas? Oui. Ah, tu étais sur... comment ça, meilleure qualité? C'est de moins bonne qualité sur sur TikTok? Mon Twitter est rempli d'humour anglais, de blagues, de psy et de sims. Parfois, je tombe dans les limbes de l'enfer. Je suis choqué de la réalité de ce réseau. Ah ouais, non mais franchement, parce que... En fait... C'est que maintenant je suis plein de gens, je suis d'autres streamers et tout. Et c'est que des fois ils retweetent des trucs et je vois des trucs et je me dis, ah bah je n'étais pas au courant de cette polémique. Quoi ton pseudo sur la galerie? Ah bah voilà, Shioko vient de te le donner sur mon chat. C'est sur TikTok et oui, forcément, c'est pas une bonne qualité pour tous. Ok. Bah écoute, au moins ici, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir la qualité si jamais tu vois que ça bug un peu sur. Je sais pas si c'est sur téléphone ou si c'est sur ordinateur, mais tu peux choisir la qualité, t'appuies sur la petite roue crantée, tu peux choisir la qualité. Twitter, c'est l'endroit où j'ai vu le plus de gens. Attends, j'ai vu le plus de gens les moins ouverts d'esprit. En fait, Twitter, c'est vraiment c'est tout l'un ou tout l'autre. Twitter, c'est là où tu peux voir les gens les plus stupides, mais genre vraiment les plus stupides que j'ai vu que tu peux voir de la Terre. Et des gens ultra intéressants. Mais ça, c'est au petit bonheur la chance. Vraiment, mais Twitter, t'as vraiment les deux opposés. T'as les gens les plus bêtes du monde dessus, et ils sont persuadés qu'ils ont la science infuse, et t'as totalement l'inverse. Ah, je peux pas changer la couleur. Je l'aurais voulu noir, la maison, comme de l'autre côté. Je vais pas mettre ça, elle est moche. Non. On l'a pas, cette maison-là, là ? Peut-être... Alors, je l'ai peut-être pas vue. Comme partout. Comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Mais c'est sûr. Tu regardes la série The Last of Us ? Oui, je regarde la série The Last of Us. J'ai regardé le deuxième épisode, là. Alors, on spoil pas dans le chat pour ceux qui n'ont pas vu, hein, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ouais.
Je peux pas me résoudre de mettre cette maison-là, elle est affreusement laide. Il y a des trucs de Twitter qui sont sur Insta et ça n'en finit plus. Ouais. Je vais pas remettre la même maison. C'est con parce que je l'aimais trop cette maison en noir et on l'a pas. Bah si elle est là. Et moi je suis teuteux. Hein. Elle était là la maison. Faut juste que j'apprenne à ouvrir les yeux. Attendez, ils ont des... Ah mais ça c'est comme si c'était leur allée de garage. Hey, coucou Jordan, comment tu vas? Alors comme je vous dis, on va essayer de reproduire ça. Je sens que ça va être rigolo. Ou pas. Les petites barrières, voilà, ça que je cherchais. Hop là. La maison va la décaler un peu. Ça va toi, bah, écoute, ça va. Ça va, ça va. J'attends la fin de semaine pour regarder. J'ai un examen à passer avant. Oh. Et t'as joué au jeu. Moi qui ai un peu plus joué, c'est ouf comment ils ont super bien repris les scènes. Alors, en fait, j'ai regardé un let's play. J'ai regardé des let's play de plusieurs youtubeurs à l'époque, quand le jeu était sorti. Et quand le jeu est sorti également sur... quand le deuxième opus est sorti, j'ai regardé aussi un let's play. J'avoue, j'y ai pas joué personnellement. J'avais pas spécialement envie. En fait, The Last of Us, j'adore l'histoire. Mais en fait, le gameplay, j'ai du mal. J'explique. Attention, me tapez pas, je vous explique. En fait, je suis quelqu'un dans les jeux vidéo, et ça, vous avez sûrement dû le remarquer. Surtout dans Pokémon. On va surtout le remarquer quand on fera Hogwarts Legacy. Vous avez très vite remarqué que dans les jeux vidéo, je suis un gros bourrin. Genre, pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, ça m'énerve dans les jeux vidéo de prendre du temps, de se cacher, de faire le truc en furtif, de pas faire de bruit, d'y aller tout doucement pour pouvoir buter un ennemi. The Last of Us, c'est littéralement ça pendant tout le jeu. Il faut un patient qui aille tout doucement. Que tu ailles en mode sneaky, genre tu rampes au sol, que tu prennes. Et puis en fait, t'as pas d'arme illimitée. En fait, t'as pas d'arme illimitée pour tuer les claqueurs, et c'est super chiant. Je dis pas forcément avoir une arme, mais genre juste avoir les putains de couteaux là pour les planter, et bah ça tu l'as même pas tout le temps. Donc des fois en fait, quand t'as vraiment pas de chance, et bah t'as rien pour te défendre dans le jeu pendant des heures. Et ça me frustre. Donc du coup, je préfère regarder des gens galérer à ma place parce que j'aurais pas eu la patience de le faire. Ouais. Moi je suis un gros bourrin dans les jeux vidéo, moi je fonce dans le tas. Dans Mario Kart, quand je joue, je fonce dans les murs pour ralentir. Parce que je ne veux pas ralentir. Visiblement, je ne suis pas le seul bourrin. Hop. Mais j'adore les missions d'infiltration. J'ai du mal, moi, en vrai, je suis pas patient. Clairement, je suis pas patient pour ça. Mais après, comme je dis, après, j'ai vu des let's play, j'ai vu plein de let's play, j'ai vu des vidéos explicatives et tout. Enfin, comme si j'avais joué au jeu. Hein. Non, malheureusement, vous laissez. Bonne soirée. Pas de soucis, Mermes. Bah écoute, merci à toi d'être passé. Passe une bonne soirée, repos soleil. Puis bah, à la prochaine avec grand plaisir. Voilà. Ouais, alors par contre, ça fait peut-être... Ah ouais, mais là, ça va faire petit. Ça m'emmerde un petit peu, cette histoire. Cette maison est trop grande. Bon, je vais essayer de reproduire ça. Il faut des bambous. Hey, coucou Lilou, comment tu vas ? Afficher tout. Ah bah, jeu de base aussi. Même pas cette musique. Ça va, bah ça va bien et toi? Ça va bien. Attends, je regarde juste un petit truc. Pourquoi j'ai plein de notifications? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça?
Alors, je viens de voir un truc. Ah si, tout à l'heure, ça m'a fait rire. J'ai IA qui a aimé mon tweet sur mon planning. Comme quoi, je faisais que du Sims. Juste en mode, oh mon dieu! Ça fait toujours bizarre. Alors oui, c'est ça que je cherchais. Hop là. C'est cela. Yes, c'est cela. On m'a l'air bon ici. Après, il faut qu'on mette ce buisson-là qui est un peu chelou. Mais alors, il va être dans quoi? C'est celui-là? Oh, c'est celui-là. Yes, ils se sont dit, yes, c'est bon, semaine full Sims. Non, mais c'est ça. Bah là, c'est semaine full Sims. Je pense que la semaine prochaine, on reviendra sur... Il y aura un petit peu de Disney Dreamlight Valley. Puisqu'apparemment, demain, il y a une annonce qui va être faite sur le jeu. Donc, quand on va streamer sur les Sims, on en parlera. Apparemment, demain, il y a une grosse annonce sur le jeu. Donc, on verra s'il en retourne. Je pense qu'ils vont juste annoncer la prochaine mise à jour pour la semaine prochaine. Buisson. Je cherche ces buissons-là. On les a dans le jeu pourtant. C'est pas ceux-là? Non, c'est pas ceux-là. C'est pas ça non plus. C'est lesquels? Parce que c'est pas ceux-là non plus. Ceux-là, hein? Non, même pas. Ceux-là? Non plus. Ben ça c'est moche. Ah, c'est ceux-là, je crois. Attendez, c'est ceux-là, mais ils sont petits. Ils sont plus petits, ils sont réduits. Ah oui, ils sont même pas mal réduits. Ok. Je vous dis, on va essayer de reproduire ce qu'il y a là. Alors, ce que l'on va sûrement faire, c'est qu'en fait, on va faire une maison. On va faire la même maison que celle-là, mais en symétrique, mais de l'autre côté. Je pense qu'on va faire ça. Et coucou Elodie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Non, je sais, mais je dois partir. Il n'y a pas de souci, Lilou. Problème. Passe une bonne soirée. Et puis bah à la prochaine, demain si tu veux, on stream encore. Avec grand plaisir de te voir demain. Échelle 0,8. Ah non, peut-être pas. Échelle 0,9. Hey, coucou Unicorn, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, t'as vu, écoute, ça va. Cette semaine, il n'y a que du Sims. Ouais, cette semaine, il n'y a que du Sims. En fait, au début, je me posais la question de vous faire un nouveau jeu. Alors, lequel, je ne savais pas trop. J'ai hésité avec Ark, mais comme je sais qu'en ce moment, il y a Lucas qui le fait, je me suis dit, bah, peut-être pas. Je voudrais pas qu'il croie que je fais du Ark parce qu'il en fait. En vrai, je lui aurais demandé. Il m'a dit, est-ce que ça te dérange si je fais du Ark? Mais je crois que ça aurait tombé le même jour que lui, donc c'est pour ça. Et donc, je me suis dit, de toute manière, il y a Hogwarts Legacy qui sort dans 2 semaines. Donc au pire, voilà. Parce qu'au niveau, quand il y aura Hogwarts Legacy qui va sortir, on sera sur du 2 voire 3 streams Hogwarts Legacy. En fait, on va être sur moitié-moitié, comme quand il y avait Disney Dreamlight Valley. En gros, le mercredi et le vendredi, ce sera consacré à Hogwarts Legacy. Par contre, quand il y aura du coup Disney Dreamlight Valley, là, l'emploi du temps, il va être compliqué. Je suis en train de préparer une soirée conseil de modération pour un streamer. Oh! Ça consiste en quoi? T'as fini Disney? À l'heure actuelle, oui. Pourquoi pas Minecraft? J'avoue que j'ai failli vous lancer un truc Minecraft. Mais je sais pas si ça va vous plaire. Enfin, je sais pas si ça va réellement intéresser la communauté si je fais des trucs sur Minecraft. Je suis un peu rouillé sur Minecraft en construction, je vais pas vous mentir. Après, bon, j'ai quand même participé à des très gros projets sur Minecraft il y a quelques années. Projet dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs.
Comment ils ont fait ça? Attendez, je vais regarder. J'ai toujours envie de Planet Zoo. Le problème de... Alors, Planet Zoo, ça serait cool, mais le problème de Planet Zoo, c'est que je vais passer 1000 ans sur Planet Zoo. Je l'aurais fait. Hein. Mais sûr que Planet Zoo, je vais mettre 1000 ans à jouer. Vous voyez le temps que je mets pour faire une construction, imaginez sur Planet Zoo, quoi. J'aime bien ce que ça fait. On reproduit ce qu'il y a là, hein, ni plus ni moins. Voici, vient de planter et j'avais pas sauvegardé ma construit depuis une heure. Ah mince, j'étais un signe. J'arrête pour aujourd'hui. Ah oui, je comprends, Claude. Mince. C'est comme un conseil de classe, mais avec plein de modos pour un streamer. Ok. Hey, coucou Sinoc, comment tu vas? Ouais, mais ça pourrait être le jeu de chill sans prise de tête et sans contrainte de temps. Juste tu joues ou tu regardes et on discute. Alors, je crois que j'ai fait qu'une fois du Minecraft en stream, et encore c'est parce qu'on faisait un comment ça s'appelle? J'étais avec... On faisait un jeu bien spécifique. Dites-vous que moi si je joue sur Minecraft avec vous en stream... C'est-à-dire que j'ouvre mon serveur et je fais un serveur construction. Voilà. Je construis des châteaux. Je construis des manoirs. Voilà. Et coucou Fanny. Si tu fais du manoir, tu vas redécouvrir la joie de répondre à la fameuse question. Elle est où la cabane de Hagrid? Oh, mais tellement Fanny. Mais oui, est-ce que tu te souviens? Mais oui, mais bien sûr. Et coucou, mais oui, ça fait un moment, mais comment tu vas? Mais bien sûr, elle est où la cabane de Hagrid? Alors ça, c'est une private joke pour ceux qui ont connu le serveur Poudlard RP. Tous les joueurs demandaient « Mais elle est où la cabane de Hagrid ?» Bah, tu vas jusqu'à la tour de l'horloge, tu traverses la tour de l'horloge, tu longes la fontaine, tu suis le... Tu passes le pont en bois et tu vas à gauche au niveau des menhirs. Voilà. Je parlais de Planet Zoo, moi. Ah, pardon. Mais Planet Zoo, ça va être pareil, hein. je vais passer 1000 ans sur Planet Zoo. En fait, le problème de Planet Zoo, c'est si je me lance, je vais vouloir continuer. T'as le problème. Très bien sur cette map. En vrai, ouais, on a terminé les deux appartements là-bas. Là, on est sur la starter et après, il me restera la maison qu'il y a là. Et bah, la carrière. Alors, la carrière, on va mettre 1000 ans aussi. Ici, attendez, c'est pas là, c'est là. On a des cailloux. C'est quoi ces cailloux? On les a? Oui. Et un autre là. Et on va essayer de reproduire ce qu'il y a à peu près ici. Et alors, truc pas logique, c'est qu'en fait, on va faire ça comme ça. Non, c'est pas logique, donc ça marche. Par contre, il me faut les cactus du jeu de base, ça. Je commence à les connaître. Les cactus du jeu de base qui sont dans l'heure, je crois. Un gros doute. Hey, coucou Marilyn, comment tu vas? Hop. Oh, d'ailleurs, la mode Sinoc et Shioko qui est comme vous êtes là. Ouais, je passe un petit topo vite fait sur. Sur le channel modération. Alors, rien de grave. Hein. C'est juste pour savoir si des modos seront dispo, notamment pour le live 24h de Hogwarts Legacy. Parce que vous savez que je vais faire le live le vendredi 10 jusqu'au samedi. Du vendredi 10 février à 14h jusqu'au samedi 14h. Je vous demanderai pas de rester 24h avec moi, hein, loin de là. Je veux savoir jusqu'à quelle heure vous pourriez être dispo. Après, moi, je me débrouille derrière. Après, je doute que. Y a des problèmes, mais on va qu'on discute avec la team modo. C'est bien entendu, je ne veux pas que vous restiez les 24 heures avec moi. Si les viewers sont assez fous pour le faire, d'accord, mais la modération, voilà. Je peux être là de 14h à 14h le lendemain. Ah ben, faut se reposer. Moi, je le fais parce que moi, je suis ravagé.
Mais je veux rien vous imposer, les modos. Et je suis aveugle ou ça se passe comment? Parce que ça, je sais qu'on les a dans le jeu. C'est dans quoi? Là, j'ai un cac... Ah, c'est là. C'est vraiment pas placé au bon endroit. Je ne connais pas le repos, souviens-toi. Oui, c'est vrai. Mais quand même. Après, Sinoc, elle est pas nette, de base. On m'a dit qu'il fallait que tu dormes un peu. Mais oui, non, mais c'est ça. Ça va partir en fight sur le stream. Ici, on va mettre genre ça. Normalement, il y en a un autre qui est moche, que j'aime moins. L'autre cactus pas beau, il est là. C'est un aloe vera, d'ailleurs, c'est même pas un cactus. En fait, les cailloux sont un peu plus disposés comme ça. Merci, Mastatum. Merci à toi pour le follow. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Merci, merci, merci. Du tout, j'ai pas de cible. T'as vu comme ils sont méchants l'un avec l'autre, là? Pas tolérable, ça, dis donc. Ça va, j'espère que toi aussi. Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On a une petite rénovation des mondes. On discute en même temps, comme d'hab, quoi. Petit moment posé, chill, tous ensemble. Ce jeu là c'est important pour moi de tout regarder. Non, mais de toute manière, à mon avis, le live 24h sur Ghost Legacy, je vais sortir des dingueries, hein. Genre je vais sûrement sortir des grosses conneries, parce que le plus que j'ai fait c'était 14 heures de stream. J'ai jamais streamé plus que 14 heures. Je pense que je vais décéder, hein. Bon, après vous me direz, je vais carburer au comment ça s'appelle. En vrai, je suis à deux doigts, en fait je vais pas vous mentir, j'avais demandé comment ça. Il y a un truc en ce moment qui... C'est pas que c'est la mode, mais il y a une espèce de boisson énergisante là sur Twitch en ce moment. Là, tout le monde est en A, c'est du... Comment ils appellent ça déjà? Du... Une espèce de boisson énergisante. J'ai demandé à être partenaire avec eux. Ils m'ont un peu envoyé bouler. Je suis en mode, d'accord, c'est pas grave. Et donc du coup, je vais peut-être en acheter... Au lit, voilà, c'est ça. Et non, pas au café, non, 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 non. Parce qu'en fait, j'ai déjà goûté des trucs au lit. Et en vrai, c'est super bon. En fait, c'est pas mauvais. Enfin, c'est pas dégueu en termes de goût. Et ça marche plutôt bien. 24h, c'est avec une nuit blanche. Oui, Jordan. Ça veut dire que je vais jouer de 14h le vendredi jusqu'à 14h le samedi. Voilà. Donc oui, oui. Non-stop. Enfin, non-stop. Des fois, je ferai des petites pauses de 10-15 minutes. Hein, genre, histoire d'aller aux toilettes ou de manger un petit truc. Enfin, voilà. Il est ravagé. Oui. Oui, oui, oui. Après, des streams 24h, ça s'est déjà vu hein, sur Twitch. Hein, ce que moi, j'en ai pas encore fait. Genre, par exemple, Loki, elle en a fait un bah, pas plus tard que ce week-end, puisque c'était l'anniversaire de sa chaîne. D'ailleurs, moi, c'est l'anniversaire de la chaîne dans 3 semaines. Bah, juste après la sortie de Ghost Legacy. Hop, ouais, c'est mon premier 24h. Des 12h, j'ai déjà fait. J'en ai même fait plusieurs, des 12h. Ouais, elle a fait 34 heures, Loki. Genre, Loki Warrior, quoi. En plus, elle était toute pimpante jusqu'à la toute fin, quoi. Genre, moi, live 24 heures, je vous jure, au bout de 20 heures, déjà, vous allez avoir des cernes, vous allez plus reconnaître votre streamer. Hein. Et en plus, j'ai passé, c'est pas compliqué, j'ai passé quasiment toute la journée avec Loki, en fait, quand elle était sur son stream. Prendre des boissons à base de maté, comme le club maté, c'est plus naturel que les boissons énergisantes classiques. Faut que je me renseigne un peu pour tenir, ouais. De toute façon, faut aussi que j'en prenne pour le stream caritatif. Donne des trucs pour le stream caritatif. C'est courageux, j'espère que ça va pas saouler. En vrai, de vrai, si jamais je vois que le stream 24h sur Ghost Legacy, ça saoule, je passerai sur d'autres jeux. Si jamais je vois que c'est trop chiant. De là, en fait, c'est juste que je pars du principe que le jeu va être trop stylé. Ça se trouve qu'on va très vite tourner en rond. J'en doute quand même. Mais sait-on jamais.
Déjà, je trouve que on a bien l'illusion du truc. Tu as fait un truc de spécial pour l'anniversaire. Le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est qu'en fait, l'anniversaire du stream, ça tombe pile en semaine. Donc, je peux pas réellement faire un truc spécial, si ce n'est un petit stream qui dure plus longtemps que prévu, avec pourquoi pas des giveaways pour vous. D'ailleurs, peut-être même moyen que je vous fasse des giveaways. Mais je peux pas vous faire un stream genre 12 ou 24 heures parce qu'en fait, je travaille. J'étais allé dans la cuisine, alors j'entendais MDR pour le là 24 heures. Là, dès ma sortie du travail, je sais à ce que mort s'en suive. Donc, non mais Choco, tu vas pas rester 24 heures quand même. Il y a Sinoc déjà qui se propose. Mais vraiment, la modération pour la 24 heures, vraiment, vous ne forcez pas. Hein. Si vous êtes fatigué, vous allez vous coucher. Hein. Je peux me débrouiller. Ça, j'avais de la fièvre et j'avais appris le jour même que j'avais le Covid. Ah mince. Okay. Hop. Alors attendez, j'ai raté des messages. Hey, coucou Guina, pardon, je t'avais pas vu. Oh non, je serai au travail vendredi et le week-end. Alors après, Guina, ne t'inquiète pas. Toutes les rediffusions sera... En fait, la rediffusion, je la couperai en deux et je la mettrai sur YouTube. Donc, au pire du pire, voilà. Merci à ceux qui m'envoient des j'aime sur... je vais arriver sur TikTok. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. moi, je bosse pas en ce moment, alors je serai là sûrement sur la totalité du stream 24 heures, au moins sur les parties en journée. À mon avis, on risque de beaucoup rigoler. On va bien rire. Parce que je vais sûrement sortir des grosses conneries parce que je vais être fatigué. Alors, attends, on va mettre une boîte aux lettres ici. C'est con qu'on n'en ait pas une fausse avec le débogage pour éviter que le jeu fasse nimp. C'est vraiment, que je vous dis, c'est pour copier-coller la maison là-bas. Ça sera quand du coup? Alors, le jeu Ghost Legacy sort... La version Deluxe, je la stream dès le mardi 7 février. J'ai pris ma journée pour ça. Je ne sais pas encore si je le stream dès 11h le matin jusqu'à tard le soir. Je ne sais pas encore. À réfléchir. Peut-être plutôt faire ça. Ah et bah non, cela j'aimerais bien que ça vienne bingo bingo ici. D'accord, ouais, samedi, le 7, voilà. C'est en pleine semaine, c'est le mardi. En fait, à la base, j'avais dit qu'on ferait la découverte totale du jeu en live 24h. En fait, comme le jeu sort officiellement le 7, faire un live 24h en pleine semaine, comme pour vous, comme pour moi, ça aurait été compliqué. Donc ce sera un samedi, ouais, exactement. Moi, si j'ai pas accouché, j'aurai rendez-vous le 10 à la maternité, alors j'aurai une chance sur deux de ne pas être là. Je comprends. Je serai endormi avant la fin des 12 heures. C'est fort probable. Je passerai, mais je veux pas trop me spoil pour mon expérience personnelle. Je comprends. Alors après, faut savoir que je vais jouer de manière très très lente à Hogwarts Legacy. Je préfère vous rassurer par rapport à ça. Je vais vraiment prendre mon temps pour pouvoir profiter du jeu comme il se doit, quoi. Et Car se me disait, mais le 7, ça j'ai lu. Il commence le 10 ou le 11. Le stream 24h commencera dès le 10, donc le mardi 10, à partir de 14h. Et se terminera du coup le samedi 11. Ah, et d'ailleurs, je sais pas si Légion, t'es encore là. Oui. J'ai presque terminé mes donation goals pour... je les posterai normalement vraiment avant la fin de semaine, c'est sûr. Il me reste 4 donation goals à trouver pour le stream caritatif. Aurait 10. Ouais, je pense que je vais faire une annonce. Hey, coucou Eline, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, et toi? C'est noté, si dimanche j'ai rien, je te retrouve. Ah mince! Question un peu hors sujet. J'ai réinstallé les Sims 4, et pour que les autres Sims vieillissent pas, il faut mettre dans les options pour les PNJ. Alors en fait, t'as deux endroits où il faut désactiver, je crois.
La option du jeu, autre. Non, c'est pas la danse, dans gameplay. Tu fais. C'est où déjà ? Activer l'âge automatique des Sims. Sims non utilisé, tu désactives ça, tu décoches ça. Normalement, quand tu joues avec ta partie, ça fait pas vieillir tes voisins. Une petite commande. Ouais, je vais le faire. Je vais essayer de la créer ce soir. Je veux faire beaucoup de choses ce soir, moi. Donc là, ça fait. Ah, attendez, ici, ça fait combien de large ? Alors, forcément, 1, 3. Bon, ce sera pas tout à fait le même format. Viens là, toi. Ça fait 3 de large. On va monter d'un cran. Voilà. Ok. Comme je vous ai dit, en fait, on reproduit ce qu'il y a ici. Jeu de base écologie. Vous remarquerez que dans ce mois de janvier 2023, il y a eu un vendredi 13. Ouais, je sais. Attendez, en plus, en parlant de ça. 2 secondes. J'ai joué à l'Euromillion. Ai-je gagné à l'Euromillion ? Ça se trouve, je suis millionnaire depuis hier. Non, depuis... Attendez, j'ai n'importe quoi. On est mardi. Ah bah non, en fait, attendez. J'ai un doute. Parce que j'ai joué la semaine dernière. Et j'ai joué pour cette semaine aussi. Je crois que cette semaine, c'est pas... Il y a le tirage au sort et pas encore là. Je crois que c'est pas encore... Non, je crois que c'est pas encore... Non, c'est pas encore arrivé. Ah bah non, c'est pas encore arrivé. Ça se trouve, je serai millionnaire d'ici une heure. Bah justement, j'ai pas trouvé l'option. Bizarre. Ok, donc c'est le seul truc à décocher. Normalement, c'est le seul, ouais. Par contre, dans le gameplay, on a plus dans les options la possibilité de cocher et de dire si on veut que nos maisons soient habitées. Si, mais c'est plus au même endroit. C'est quand on est sur la choix de la map. On croise les doigts pour que tu puisses offrir ton manoir de rêve. Mais tellement. Hey, coucou, Mezzo, comment tu vas ? Ça va bien. J'espère que tu vas bien aussi. Ravi de te voir ici. Alors là, on est sur une porte blanche, comme ça. Je crois qu'au niveau de l'emplacement, on n'est pas mauvais si on se met là. Ici, c'est une fenêtre, je crois. Ouais, il y a une fenêtre là. On va mettre ça. Je sais pas trop si on est en à hauteur de mur, on est en quoi ? Ok, on est en hauteur moyenne, très bien. J'arrive au début de construction d'un bâtiment, c'est rare. Ouais, on est en train de construire une starter. On est déjà à 2000 simflous. N'oublions pas, une starter c'est moins de 20 000. Je sens que je vais m'en mordre les doigts. Là, j'ai l'impression que... Un starter, elle va être très grande. Elle va être très très grande, la starter. Mais la starter, elle va être très très grande, Mister C. Ça, on casse. Pendant c'est limitable hasta l'ultimo détail de la casa à la derecha. Si, voy a hacer la misma, pero voy a poner más detail. Y la voy a hacer más bonita, pero... van a estar similar. Le fait que tu aies coupé le terrain en deux des maisons, ça va pas être plus cher. En fait, sache que tu vois tout ce qu'il y a là, ça m'a coûté 0 simflouz normalement. Sauf à la limite peut-être les plantes. Soit tout ça c'est du débogage, tout ça ça a coûté 0. Sauf les bambous. Les bambous ont coûté 35 simflouz, ça va. Tu sais parler espagnol ? Ouais, je suis bilingue en espagnol. Ça, j'ai un peu perdu, mais... Faut que je check ça alors parce que j'ai des constructs pas terminés, j'ai des Sims inconnus qui habitent dedans.
Ah, est-ce que t'as un mode? Parce que je sais qu'il y a certains modes aussi qui le font où ça s'active automatiquement. C'est un peu chelou ce truc quand même. Moi, ouais, j'apprends l'anglais car je vais étudier au Royaume-Uni. Trop bien ça de vouloir étudier au Royaume-Uni. Moi, je sais quand j'ai été plus jeune, mes parents ont jamais voulu. Je leur en voudrais toujours, je pense, pour ça. J'ai toujours voulu faire partir... c'était au début quand YouTube était apparu, il y avait déjà des gens qui publiaient des vidéos où en fait ils partaient genre pendant un an aux États-Unis, au Royaume-Uni, pour apprendre l'anglais, quoi. Moi, je veux faire la même chose. Mes parents, ils disaient non, ça coûtait trop cher. J'étais fortement déçu. Mais c'est-à-dire que, attendez, la maison, elle est encore plus grande que prévu, là. Non, mais elle va me coûter les yeux de la tête. À mon avis, la maison, on va la faire plus petite sur l'arrière. Attendez, on va la faire plus petite. Elle est énorme, la maison. On va la réduire en termes de profondeur. Voilà. Tu connais Trinity? Oui, je connais. Alors, je la connais pas personnellement, mais ouais. GG l'espagnol, moi, à part la cuenta, por favor, c'est tout ce que je sais dire. C'est déjà pas mal, hein. Non du tout, pas de mode spécial, mais comme j'ai pas trouvé la coche, les options, je vais checker. Tu sais, c'est dans les histoires de quartier. Je viens de faire ma leçon de bilingo pour apprendre l'espagnol. Bah, elle va partir sur un tour du monde pendant 4 ans, oui, parce que je me sais que 4 heures, ça aurait été compliqué. Bah oui, je vais aller manger des sous. Pas de soucis, Love Awards. Bah écoute, bon appétit à toi et à la prochaine avec grand plaisir. Hop, écologie. Ouais, en fait, ce jeu, c'est un peu Minecraft niveau construction, mais plus, c'est tout ce qui est déco intérieur. Ah, tu veux dire dans les Sims? Minecraft, t'as quand même plus de... enfin, non, je veux dire plus de possibilités, je sais pas. Je viens de découvrir qu'il y a littéralement plusieurs hauteurs possibles pour les baies vitrées. J'arrive pas à déterminer c'est laquelle qui a été mise. Ça coûte cher, non? Ah, ça coûte que 180. Ça va. Ok, il faut pas mettre. C'est pas celle-là qu'ils ont mis. Mais ils ont mis laquelle? Je suis sûr qu'ils en ont mis une qu'on n'a pas. Je dois en mettre celle-là, je pense. Celle qui s'y rapproche le plus. Voilà. Hey, coucou Bekinou, comment tu vas? Comment vas-tu? Moi, ça va bien. C'est le quartier de la carrière. C'est ça. C'est un jeu grave chill en vrai. Ce jeu, il compte combien la version que t'as? Là, les Sims 4, l'intégralité. Tu veux l'intégralité de tous les kits, les add-ons, tous les DLC, comme j'ai. 960€. Et c'est pas une blague. Voilà. Voilà. Et oui, je sais que. Ouh là là, c'est la décadence. Hein. Voilà. Je comprends très bien, mais ça va. Oui, quand même, oui. Ouais. Alors, je vais pas te mentir, j'ai pas réellement payé ce prix-là. Enfin, j'ai grugé. J'ai acheté plein de packs sur Instant Gaming. Donc, en fait, quand tu passes par Instant Gaming, tu peux payer même moins de la moitié que ça. 8 ans d'investissement. Mais c'est qu'au bout d'un moment, c'est plus de l'investissement. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, là, c'est de l'inconscience. En fait, sur un Instant Gaming, par exemple, tu payes beaucoup moins cher. D'ailleurs, quitte à ce que vous... Si vous voulez acheter Hogwarts Legacy, achetez-le sur un Instant Gaming. Il est bien moins cher. Ça donnera moins de thunes à l'autre starbé. Mmh,
Et merci Luna, merci à toi pour le follow. C'est quand la suite du Loft de New Girl? C'est tous les dimanches, Juju. Je stream sur la construction de New Girl tous les dimanches. Il est pas beau mon arrondi là. Bah déjà je me plante parce que moi faut que je fasse ça. Voilà, il est peut-être un petit peu. Hop. Ah, attends, j'ai raté des messages. Sur le site de Leclerc, aussi en précommande, il est bien moins cher, 46€ le 70, je crois, sur PS4. Ah oui, mais sur PS4, attention, hein, si vous voulez acheter le jeu Hogwarts Legacy, si vous prenez sur PS4 ou sur Xbox, c'est pas avant le mois d'avril qu'il sort le jeu. Là, le jeu, il sort officiellement sur PC, PS5 et Xbox série X. J'ai un doute sur la Xbox, je sais jamais. C'est là qu'il sort. Et pour les autres plateformes, c'est à plus tard. Actuellement, dans ta première maison de cette map. Oh, trop bien! Tu joues sur la starter? Attendez, quoi? Ok. Oui, pour dire qu'il est vraiment pas cher. Ah oui, c'est vrai. Là, en effet, c'est intéressant. Bon. Après, ce qui est bien, c'est qu'on aura encore 10 000 simflous pour tout meubler à l'intérieur. Sachant que les meubles de écologie, on a découvert en faisant la starter qu'en fait, les meubles d'écologie coûtent que dalle, mais vraiment rien du tout. Et on va vraiment pouvoir faire une jolie maison pour pas grand-chose en termes de sous. Et ça, c'est cool. Alors, on va faire une maison grise, bleue. Pour l'instant, je mets la même couleur. Peut-être que je vais changer de couleur entre deux, mais j'avoue, elle est plutôt jolie, la couleur ici. Ah, mais je suis con. Mais attendez, mais moi, je suis teuteux. J'avais dit que je devais faire en mode miroir. Bah oui, Mister C. Ah, ça me saoule. J'avais dit qu'il fallait que je fasse en miroir. Je suis débile. Hein. Ah là là. Ni. Je me saoule. Là, je m'auto-énerve. Voilà. Me disait qu'il y avait un problème aussi. Voilà. Et en vrai, regardez, je viens de réussir à le refaire en 2 secondes. Voilà. Voilà. Raté, c'était pas comme ça. C'est toi. Ça. Ah mince, non. Passe ça comme ça, voilà. Ni ni ni. Je m'étais dit que j'avais mal compris quand il y avait pas de la symétrie. Mais oui, à la base, il y avait une symétrie. Hein. Il se crie déjà dessus alors qu'il n'est même pas en live 24 heures. Après, live 24 heures, on sera sur du Hogwarts Legacy. Donc en principe, on n'aura pas de... Il n'y aura pas de construction, donc j'aurais quoi que. Dans la salle... Dans la salle sur demande, il y en aura, mais je peux pas. J'ai peur que ça rende un peu ridicule là quand même. Voilà. Parfait. Là, ah, ils ont mis ce toit là, mais ce toit là, jamais je le mets, tellement qu'il est pas beau. Voilà. Et tiens, une petite corniche. Je crois qu'ils ont dû mettre celle-là. Non, c'est pas mis celle-là. C'est laquelle qu'ils ont mis? Bah, elle, quand même. Non, c'est pas elle. Peut-être... Ah, c'est elle qu'ils ont mis. Hé, coucou, Ours Vison, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Yes, là, on est bon. Par contre, je trouve que ça sert un petit peu... Peut-être un peu trop bas. Non, en fait, on était bon. Il y a le youtubeur Amine qui a pu tester le jeu apparemment. Ah ouais? Les portes et la fenêtre en bas ne sont pas symétriques non plus. Ouais, je sais, il faut que j'inverse.
Voilà, là je pense qu'on est bon. On doit être bon là. Décoration murale, écologie. Ici, ici, décoration. Voilà. Je vais y arriver. Ah, c'est dans l'autre sens, raté. Faut que je mette ceux-là. Ils les ont mis en beige. C'est une taille au-dessus de la... C'est pas une taille au-dessus de la baie vitrée. Bah, faut que je le vois. Parce qu'en fait, je crois qu'on n'a pas la taille comme ça. Creo que la puerta es un... Es de un tono gris. Est ça? Ay, no sé. No, creo que es blanca la puerta, eh. Aquí está blanca la puerta. Hey, coucou la petite patate, comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va, ça va. Attends, la porte... Le problème, c'est que les baies vitrées, il en existe 12 000, là. Et tu vois, celle-ci, elle est plus haute. Mais c'est pas celle-là. Celle-là, elle est trop grande. Bon, tu me diras... Ça coûte plus cher, bah. Celle-là, non. Ah, c'est celle-là, t'as raison. Elle coûte plus cher, bah. Ah oui, elle coûte un peu plus cher. Ouais, il a dit ça lundi sur Twitch, ça lui a échappé. Il a dit que le graphisme était génial, mais qu'il pensait qu'il allait pouvoir jouer au Quidditch. Et en plus... Et elle n'a pas dit plus. Elle savait pas s'il avait le droit d'en parler. Oui. Et Amine, il dit toujours des dingueries en stream. Hein. À chaque fois, il est... à chaque fois, il sort des trucs en mode, gars, t'as pas le droit de dire... Alors, moi, je pense que cette maison, elle va être vouée un peu à l'échec, là. Parce que je pense que ça va me coûter trop cher. Là, l'escalier, il va mettre un fin à mes sous. Là. On va faire une starter. Oui. Et sache qu'il ne faut jamais douter de ma capacité à créer quelque chose sur les Sims. Je le dis. C'est la première fois que j'ai sur live. J'ai juste... Moi, je suis jamais réellement allé sur ces streams à Amine. J'avoue, j'y vais rare. Enfin, je suis jamais allé. J'ai vu, bah, des fois, il avait participé aux event. Mais t'inquiète, je te crois, je suis un viewer de... Ok. Peut-être une fenêtre moyenne. Ce qui est trop bien, c'est vous voyez, les fenêtres, elles coûtent que dalle, donc... Merci la petite patate pour le follow. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ça fait super plaisir. Alors là, on est sur une décoration murale sur la hauteur. Ouais, alors cette histoire, ça va me coûter les yeux de la tête quand même. Hein. C'est quoi l'équipe S15? Je crois que c'est à 80% de base, on s'augmente de temps en temps. Attends. Hop là. L'équipe 404, c'est notre équipe de stream. C'est notre équipe de streamer. On est 5 dedans. Il y a beaucoup de monde, du coup, on peut pas vraiment participer. On est plus en leur... Ah bah oui, bah c'est sûr que oui, bah sur les gros streamers comme ça, c'est sûr que c'est plus compliqué d'avoir une proximité avec le streamer en question. Après, c'est un parti pris, il y a des gens qui aiment bien ça, qui aiment juste regarder et tout. Mais voilà, c'est vrai que moi, sur mes streams, par exemple, c'est vrai que c'est plus... Je vais dire que c'est plus convivial. Enfin, si, c'est quand même plus convivial parce qu'on discute, etc. Parce que c'est plus simple, forcément. Lui, s'il devait lire tous ses messages, ce serait impossible. Moi, j'ai encore la possibilité de lire correctement le chat, en règle générale. C'est plutôt agréable. Mais attendez, moi, je suis un peu teuteux.
que cette fenêtre-là, elle a rien à faire là, en fait. Elle doit aller là. Voilà. J'aime vraiment le look de cette maison. Bah, en fait, je suis en train de recopier littéralement le look de celle-ci. Elle coûte combien, cette fenêtre? 210. En vrai, les fenêtres, on va se calmer, hein, parce que ça coûte un peu les sous. On n'a pas ce coloris. Attendez, c'est peut-être celui-là. Ouais, si, c'est celui-là. C'est juste que c'était bugué avec l'extérieur. Ok, et à l'arrière, on a cette fenêtre-là. Alors, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de fenêtre ici. Moi, ça va me trigger. Hein. Genre, la seule fenêtre qu'on a là, c'est celle-là. Ouais, je sauvegarde. Peut-être qu'il défile à une vitesse horrible. Bah oui. Hey, coucou Nano des Bois Sauvages. Comment tu vas? Je crois que t'as pas fait le toit terrasse trop grand. Tu es en train de gagner des sous. Non, je crois que t'as pas fait, que t'as fait le toit terrasse trop grand. Ça? Bah, en vrai, je peux détruire le toit terrasse. En vrai, si je détruis le toit terrasse, je gagnerai des sous. Et si je détruis l'escalier? Je fais une maison similaire mais pas identique. J'ai gagné 1000 simflouz. Mais bon. Ou alors je garde ce principe là. Et ici je fais juste un... En vrai, vous savez quoi, on va garder ce principe là. Quand même. On va garder le principe. Mais on va ici faire juste un petit... on n'y a pas accès quoi. Il y a beaucoup de charme. Ouais, elle est pas mal hein. Je vois que c'est à 90% de base, ça augmente de temps en temps. De quoi tu parles de 90% Mezzo? J'ai pas compris pour le 90%. Ah non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il l'arrivait plus loin. Il était, était plus... Oui, alors c'est normal. C'est parce qu'en fait, comme je suis sur une starter, je dois économiser des sous. Donc bah du coup, je fais la maison un peu plus petite. Déjà, sur la galerie, ça donne quoi? Sur la galerie, l'illusion est quand même présente. Merci Marceline pour le partage du live sur TikTok, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à toi. La grande question c'est ça, est-ce que si je le place, les Sims ils vont pouvoir marcher dessus? Là j'ai un très gros doute. Là il y a, un doute là. Écologie, on n'a rien de... là. J'arrive pas trop à savoir. C'est, à mon avis, c'est ça qu'ils ont mis en gris. Alors, en gris. Yes, c'est celui-là. Voilà. Ok. Là, on est pas mal. Au niveau de l'intérieur de la maison, il va falloir qu'on voit comment on va procéder. Parce que là, c'est quand même, ça fait quand même très vite. On va rajouter des... On va quand même rajouter les clés, enfin, des pieds. Enfin, ah, des fenêtres. Ici, on va faire une salle de bain. On va faire une salle de bain ici. L'entrée va être là. Avec, je pense, ici un demi-mur. Ça fait un gros espace perdu, là. Alors, on va mettre un petit mur. Genre, toi. Un petit truc comme ça. Yes. On va mettre l'escalier ici. L'escalier va monter là. On va mettre un escalier du jeu de base. Il coûte combien? 10. Viens, il coûte 5, quoi. Ah, oh, c'est un escalier droit. Vous savez que j'aime pas les escaliers droits. Ça triste. Ah, mon dieu, ce jeu. Voilà. Ah, je préfère. En plus, ça occupe un peu plus l'espace. Et je pourrais quand même mettre une porte en dessous pour accéder à la salle de bain. Hmm. Alors, je suis en train de me dire que l'escalier, il va peut-être... il va peut-être changer de tronche. Voilà. Voilà.
Ah ouais. Ah oui, c'est pas le même prix. Et l'escalier va rester comme ça. L'escalier va rester comme ça. On va remettre des fenêtres. Tiens là, toi. On va mettre une fenêtre là. Une fenêtre ici. Voilà. Je pense que la cuisine, on va la faire là. On va la faire juste ici. Là, le salon ici. Et la salle à manger, genre là. Et à l'étage. À l'étage, on va faire une mezzanine. Quoique, je suis en train de dire ça, mais. En fait, cette baie vitrée va me casser les pieds. J'aurais voulu faire un esprit un peu loft ici. Ou alors je fais une starter avec deux chambres, mais... Bah non, le problème sera le même. Réfléchissons. Bah oui, forcément, ça me casse tout. Voyons voir si je fais ça. Je réchifflis. On peut le faire en vrai. Bon, je dois y aller. Bon, c'est pas tout. C'est pas tout si Ours Vision, pardon. Ravi de t'avoir eu avec nous. Passe une bonne soirée, repose-toi bien, puis à la prochaine avec grand plaisir. En vrai, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal, là, comme ça, je pense. Hey, coucou Emma, comment tu vas? Enfin, je dis ça, mais à mon avis... Attendez, ça va me trigger sur un truc. On va avoir un problème. Que là, il faut que je mette une rambarde aussi. Ça va être moche. Pourquoi ça... Si ça fait ça, parce que... Voilà. C'était prévisible. Voilà. Et là, il faut que j'arrive à mettre un lit. Moi, je le mettrai là. C'est quoi la construction que tu fais? Je suis sur la starter du quartier de la carrière. Et là, j'ai reproduit une fausse maison avec que des éléments du débogage qui m'ont coûté 0 simples. Et coucou Paralapse, comment tu vas? Ravi de te voir parmi nous, je vois que c'est ton premier message. C'est trop beau, merci beaucoup. Mais dans quel monde? Celui d'écologie, donc c'est Evergreen Arbor. En fait, on est en train de recréer la maison qui est à côté. Enfin, du moins, on s'inspire, mais pour faire une starter à moins de 20 000 simflouz. Et pour l'instant, on est plutôt bien parti. Ici, on aurait le salon, la salle de bain et la chambre en mezzanine là-haut. Et on va essayer de partir sur un style vraiment industriel. Alors, si je veux bien... Ça coûte combien si je pose... Ah bah ça coûte que dalle. Watch me en mettre plein et puis après je vais regretter. Coucou Lendil, comment tu vas? Bon, en soi j'en mets plein, mais si jamais j'ai besoin d'économiser des simflouz, les colonnes vont sauter, je vous le dis. Tout l'extérieur ce sera du débogage, ça va me coûter peanuts. Par contre là on va être sur du full moderne. J'avoue, vous savez que le moderne c'est pas ma tasse de thé. Mettre la fenêtre là. Ça va être... Bah écoute, ça va. Je dirais toutes tes constructions pour me faire une sauvegarde. Merci beaucoup de les avoir téléchargées. Elles sont trop cool et tu as le même style de déco que moi. Donc c'est parfait. Trop bien Paralaps. Content que mes constructions te plaisent. Trop bien ça.
En plus, bah, vous savez, moi, c'est pour ça, hein, je fais ma rénovation des mondes. Hein, c'est pour que vous puissiez utiliser mes constructions. En réalité, vous le savez, moi, je fais pas de, je fais très peu de gameplay. Donc, si ça peut vous servir à vous, c'est vraiment pour ça que je fais ma rénovation des mondes. Hein. Alors, je m'étais dit que ça aurait été une bonne idée. Spoiler alert, ça ne l'est pas. Ici, c'est de la cuisine. Alors, c'est là qu'on va rire. Voilà. Après, vous me direz, on va faire une cuisine moderne, donc écologie. On va partir sur les meubles. Écologie et jeu de base, voilà. On va partir sur les meubles comme ça. J'aimerais partir un petit peu sur un intérieur, un petit peu ce qu'on appelle scandinave. Je pense que ça peut être cool. On a mis quelle couleur ? Là. Petite gazinière. Hop là. On va mettre blanche. Au-dessus, les petits placards. Et on va donner du contraste avec... ça s'appelle... Avec les murs. Pour l'instant, on va laisser en comme ça. Comme ça, c'est mieux. Oui. Hop là. Ah ouais, vous avez tous les réseaux qui s'affichent sur l'écran. N'hésitez pas à me follow. Ma chaîne YouTube, il y a uniquement les rediffusions de stream. C'est une bonne idée de faire en jeu de base plus le pack du quartier. Comme ça, si on n'a pas tous les packs, on peut quand même... oui, c'est ça, on a quand même les constructions entières. C'est exactement pour ça que je fais ma... cette réno. C'est exactement pour ça. Hop là. Attends, je regarde, je check juste un petit truc sur internet. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah, d'ailleurs, je sais pas. Alors, pour l'instant, je l'ai pas sur mon iPhone. Je sais pas si vous c'est pareil. Mais alors, sur mon ordinateur, sur mon ordinateur, c'est affreux. Est-ce que vous aussi, vous avez la mise à jour de Twitter? Genre, la mise à jour de Twitter, elle est affreuse. Genre, vous avez des pourtois comme sur TikTok. Mais genre, il y a la moitié des trucs, ça intéresse personne. Genre, je crois que je suis en mode, mais je m'en fiche, moi. Ah, madame, ce que tu fais, j'adore. Bah, là, je sors de ma zone de confort, hein, pour l'instant. Oui. Bah, attendez. Je vais vous montrer ça. Attendez, je regarde s'il n'y a pas des trucs chelous. Parce que des fois, dans les pour vous, il y a des trucs chelous. Regardez, je vous montre. Juste s'il n'y a pas d'info perso, non. Capture d'écran. Donc là, on a abonnement. Mais pour vous. Mais sachez que quand vous êtes sur la... quand vous affichez la page Twitter, c'est automatiquement dans pour vous. Et il va y avoir la même mise à jour sur téléphone. C'est trop chiant. Parce que les trois quarts des trucs... Alors là, ça va, c'est Cassiel et c'est Caro que je follow. Mais des fois, les trois quarts des trucs, c'est des trucs que je follow pas. Donc c'est trop chiant. Donc à chaque fois, il faut penser à cliquer. Parce que des fois, je scroll, je dis, mais c'est quoi tous ces gens que je connais pas? Pourquoi ils sont dans mes abonnements? Et en fait, non, ils sont dans... Bah en fait, généralement, dans le pour vous, vous allez avoir en fait les... tout ce que vos followers vont aimer, retweeter, ou que c'est des comptes que plusieurs de vos followers follow aussi. Du coup, c'est des... Ah, bah, comme vos, les gens que vous followez, bah, genre, follow ces comptes-là, bah, peut-être que ça va vous intéresser aussi. Des fois, on tombe sur des dingueries. Elle s'en fiche de... Oulala, oulala, je sens que je vais m'en mordre les doigts de faire ça. Ça me coûte 10 sous. Ouais, ça me coûte 10 sous, mais c'est joli. Ah ouais, mais non, Mister C, parce que si tu fais ça, après...
Échelle 0,998. Dis-moi que ça passe. Ça pas du. Élévation 0,025. En vrai, ça se voit pas. Et normalement, c'est quand même fonctionnel. Voilà, regarde. Mais pire, c'est que je follow que du Sims ou de l'électronique. Ah, bah, je sais pas, alors. On est d'accord que ça fait beaucoup plus joli d'avoir mis ça au milieu. Donc, ici et là, j'aimerais mettre la table. Donc, table, on va mettre celle du... On va mettre celle de... Comment ça s'appelle ? D'écologie qui coûte que dalle. Pourquoi ? Afficher tout. J'ai désactivé le débogage. Bonne soirée à toi, pas de soucis, Elise. Pas de soucis. Bonne soirée à toi et à la prochaine avec grand plaisir. J'ai enlevé le débogage, je crois, sans faire exprès. Bingo, je l'avais enlevé. Surface. Faut que tu replaces la poubelle. Bah, je l'ai remise, non ? Ah oui, elle est plantée dedans. Mon chéri, hier, il me demande comment on fait pour supprimer quelqu'un sur Snap. Du coup, je lui explique et lui demande pourquoi. Et la meuf, elle lui a envoyé des nudes comme ça. Ah oui, bah ça, c'est des faux comptes aussi. Oh là là, le chéri, il a dû passer un mauvais quart d'heure. Genre, mais pourquoi t'as rajouté ça et tout. Et cette table, elle a coûté 255 simflouz. Confort. Chaise. Genre, regardez, la chaise, elle coûte 10 simflouz. Ok, c'est pas la plus belle des chaises. Il y a moyen de moyenner. Oula, alors là, c'est là où je sens que je vais m'énerver. pour l'instant, dégage. voilà. J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ce que j'ai fait là. Est-ce que toi, t'es plus... Franchement, je pense que ça serait moins choquant si je fais ça. Par contre, bah, tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Ah non, c'est choquant. Non comme avant. Voilà. Ça se trouve, c'est sa faute. On ajoute des comptes et en fait, c'est que des gens qui envoient des photos. Un peu aussi, c'est possible. Après, je sais que même moi, sur Snap, j'y vais jamais. Mais alors, des fois, je reçois des invitations de gens, je sais pas qui c'est. Et des fois, tu cliques juste sur les informations du compte, tu fais « D'accord. » C'est genre Pamela... The nude avec vous, Tom. Alors, Pamela. Mais non, merci. Écologie. Voilà. Alors, sur Instagram, pendant un temps, j'ai eu pas mal de demandes cheloues comme ça. Et puis, ça a disparu du jour au lendemain. Genre, vous voyez ce canapé incroyable ? Bah, il coûte que 200 simflouz. Alors, pour 200 simflouz, vraiment, vous pouvez faire des dingueries. Oui, ça coûte littéralement 70 simflouz. Même dans la vraie vie, un fauteuil, ça coûte plus cher. Il faut juste que j'arrive à choper la même couleur. La télé ici, elle coûte 25 simflouz, donc on va l'agrandir. À boire, yes!
Sur Insta, j'en ai plus depuis longtemps. J'en ai eu pendant un temps, c'était horrible, j'avais que ça. Mais ça s'est calmé. Bah, en vrai, ça s'est calmé du jour où j'ai changé mon arrobase. À un moment, je crois que c'était Miss. Je sais plus, j'ai changé mon arrobase à un moment donné sur Insta et depuis ça ne l'a plus fait. Ah, si ça se trouve, c'est. Ça, c'est moi, j'ai lu. Non, c'est moi, j'ai tout lu. Pardon, je suis à jour. Voilà. Décoration. Dans décoration. Non, c'est pas dans décoration, c'est dans surface. Regardez, on va mettre ça. Et ça coûte 65 simflouz. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du truc, quand même. Ça coûte que dalle. Ça, à mon avis, si je le réduis et que si je le mets là, ça rendrait trop bien. Avec genre une tablette pour faire style que c'est une entrée. Les Sims normalement peuvent passer, on fera un test. Dans ça, je n'ai pas de soucis, moi. C'était Facebook, moi, quand j'étais plus jeune. Ah, peut-être. Moi, Facebook, j'y vais jamais. Vraiment, Facebook, il est abandonné, mon compte, depuis tellement longtemps. Ah oui, le tapis, il est un petit peu plus cher, quand même. Hein. Après, j'ai dit scandinave. Ça fait un peu scandinave, mine de rien. C'est très moche. C'est scandinave, mais c'est dégueulasse. Oui. Voilà, c'est scandinave de Wish, quoi. Bah c'est un peu dégueu quoi. Et ça, il va peut-être falloir que tu apprennes à centrer les objets. Ah non. Hop là. C'est pas centré. Surtout pour la famille qui vit loin et les amis en vrai. Bah, même moi, mes amis IRL, on n'utilise pas Facebook. Hein. Facebook me sauve la vie pour les anniversaires. Et encore même, comme ça, des fois, je les oublie. Mais oui, moi, je suis un ami horrible. Je connais aucun anniversaire de personne. Bon, sauf une ou deux personnes où c'est des dates bien spécifiques, un petit peu, genre c'est proche de la rentrée, ou du coup, c'est comme ça que je les retiens. Mais je retiens aucun anniversaire. Moi, je suis une calamité là-dessus. Hein. Ça, mes amis sont au courant, ils le savent que je suis pas doué avec ça. Ils m'en tiennent pas trop rigueur. Genre vraiment, moi, les dates... Avec la meilleure volonté du monde, j'y arrive pas, quoi. Si, es muy bonita la casa. Y no es muy... No es muy barata. Barata. Porque hace menos de 20.000... Ay, no sé cómo se dice en español. Porque en francés la moneda de los Sims es Simflouz. Pero me parece que en español es Simeleon. Me parece. Je suis pareil, du coup j'ai une appli anniversaire sur mon téléphone qui me met une notif. Simoleon, ok. Aquí es Simflouz. Tiens, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient traduit ça, mais... Hop. Alors là, ce qui va me coûter le plus cher, littéralement, c'est la salle de bain. On va mettre des toilettes. Et ici, on va mettre celui-là quand même. Voilà. On va mettre le petit miroir qui est là. Et on verra pour le reste. Vous voyez qu'il nous reste encore 5000 simflouz. Bon, ok, il faut encore que je fasse le papier peint et tout. Certes, je le conçois. Oh, j'avais oublié ça. Le lit, on va le faire ici.
Et là, on fait péter le budget. Sûrement. On va utiliser le lit robot. Mais il coûte cher. En espèce, ils disent Simoleon au lieu de Simflouz. Ouais, et comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils disent pas Simflouz. Hein. Ils disent Simoleon aussi, je crois. Ou un truc similaire. Ce lit est vraiment incroyable. Regardez le guéridon à 45 Simflouz. Ça, en vrai, c'est pour ça que écologie est quand même stylée sur certains points. C'est qu'on peut littéralement faire des starters de malades mentales. Ouais, c'est qu'en France, ils ont traduit certains mots. Pour ça. Je pense que Simflouz, c'est plus simple à dire en français que Simeleon. On aurait dit Simléon avec notre accent nul. Heureux, j'étais parti manger. Pas de soucis. T'as mangé quoi, du coup, Gwarz? Moi, je n'ai pas mangé avant le stream. Yoko, elle va pas être contente. Mais t'as pas mangé et tout, c'est pas bien. Quel horrible personnage tu es. À la fac. Non, pas à la fac. Écologie. Oui, mais ça, c'est moche. C'est pas joli. Ah, bah, attendez, j'ai plus de batterie sur ma tablette. Il me reste combien de batterie, là? Il y a combien de temps que j'ai le message? Il me reste 9%. Oh, ça va, il me reste 20 minutes de stream. Je vais juste couper le stream. Hop, attendez. J'ai pas eu le temps de me mute. J'ai cru avoir appuyé ce bouton, et en fait, j'ai appuyé à côté. Hop. Attendez, je réponds à un message. Attendez, hop, je reviens, je mets un message. Voilà. À tes souhaits, mais oui. Zem, mais tu connais ma pensée. Que tu es totalement d'accord avec ça. Et que tu me pousses à ne pas manger. J'ai un menu McDo, malheureusement, on a commandé pour moi le burger que je hais, c'est le filet-o-fish. Oh, mais qui a osé te commander un filet-o-fish? Excusez-moi, mais filet-o-fish, c'est motif de rupture et tout. Hein. Moi, on me donne un filet-o-fish, mais je prends ça comme une attaque personnelle. On va ramener des sushis ensuite. On a mangé des spaghettis du poulet. Attends, ça n'a aucun sens ce que tu viens de me marquer. Attends, deux secondes. À la base, vous avez commandé un menu McDo. Mais ils t'ont commandé un burger avec un filet-o-fish. Du coup, t'étais pas content. Mais du coup, ils ont ramené des sushis. Et ensuite, on a mangé des spaghettis et du poulet. C'était un repas super varié. McDo, sushi, spaghettis et poulet. Il y a eu plein de trucs différents. C'est très moche ce que je suis en train de faire. J'aime pas du tout. On va mettre ça en blanc. Puis ça, on va remettre ça en blanc. Voilà. Coucou Candice, comment tu vas? On dirait Thanksgiving truc. Un peu, ouais. En vrai, je suis trop nul pour aménager les maisons de Sims, alors je veux le faire IRL plus tard. Ah ouais? Bah après, après, en même temps, dans les Sims, t'as pas tous les objets que tu veux, quoi. J'ai oublié un mur au niveau de l'escalier. Ah oui, tu as raison. Par contre, là, je vois que... Ouh, les sous-sous, ils ont descendu, les sous-sous, là. Les sous-sous... Ça coûte cher, cette histoire.
sûr que ça a mis dehors. Mais j'en étais sûr. Ça avait tout le temps ça dans le jeu. Je vais l'adore m'embêter avec les papiers. Voilà. Ah oui, alors pour que ce soit logique, on va faire ça. Oh! Bah pourquoi pas en vrai. Voilà. Il me reste 17. Enfin, il me reste 2500 simflos à utiliser. Donc je pense qu'il faut pas qu'on oublie de mettre l'éclairage, mais là je pense qu'on peut peut-être mettre une bibliothèque ou un petit coin repos. Déjà, on va mettre les éclairages. Et le PQ. Ah non, écologie. Hop. Apparemment, demain, je vais manger raclette. Oh. C'est trop bien la raclette. Je sais pas ce qu'on va manger chez la copine Cyril Soinel ce week-end. Et parce que pour ceux qui ne savaient pas, du coup, ce week-end, je descends dans le sud pour aller faire la pendaison de crémaillère avec Cyril. On sera avec le petit gratin des streamers Sips, donc ce sera très cool. La table à manger. Ah oui, merde, il y a la table à manger aussi. J'avais oublié. J'avais oublié. Ah, peut-être. Ah, bah, trop cher celle-là. J'ai mangé une raclette hier. La chance. Moi, j'ai envie d'une tartiflette. Mais genre, vous savez, la bonne tartiflette bien grasse. Ah ouais, une tartiflette. En plus, j'ai froid dans mon appart, ça me ferait trop du bien. J'aime bien l'idée de mettre la table comme ça. Demain, un camembert au four avec des pommes de terre. Ou un camembert rôti. Il faudrait que j'en achète. C'est moche ça. Quoique. Tu te rajoutes une petite plante, ça devrait le faire. Éclairage, on a dit. Il va me rester assez d'argent normalement. Je vais pouvoir mettre de la déco au niveau des toilettes. Imagine un sim s'il s'assoit sur le canapé et par malheur il se tape sur le coin de la table. Bah non, regarde. Il y aille quand même. Hein. Tartiflette, en plus, ça fait un bail que j'en ai pas mangé ça. J'en ai mangé une au tout début de l'hiver. J'avoue, une bonne tartiflette raclette là et tout. La bonne tartiflette Saras, mais c'est ça. Mister C 2023. Mais ouais, on a une bonne tartiflette là. Ça me donne faim. Watch me, voilà. Faire ça. À toi. Échelle, toi, on va te mettre un peu plus gros. Et la table de canapé, j'aime beaucoup. Ouais, c'est pas mal, hein. Et en vrai, vous avez déjà une très bonne starter. Hein. Et il nous reste encore 1000 simflos à utiliser. Genre vous avez quand même une starter qui est fonctionnelle. Ah, j'ai oublié un mur là. Hop là. Là, j'ai faim. Là, ce soir, il faut que je fasse la rediff. Enfin, les rediffs. Que je fasse le montage de la rediff pour que ça efface les informations perso qui ont fuité dimanche. Il faut... Enfin, ça, du coup, aborder ça, le TikTok. Tu connais NS? Oui, Hogwarts, je connais NS, oui. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. La tartiflette, c'est mon arme. J'ai là une réputation de tartiflette queen auprès de ma famille et mes potes. Eh bien, écoute, Pomme au beurre, je pense que je vais t'envoyer mon adresse en MP. Et puis, tu vas me faire un petit superware. Je paye les frais de port, si tu veux.
oui, j'ai oublié qu'il fallait qu'on paye ici aussi. En vrai, l'intérieur de la maison, il est presque terminé. Faut juste que je mette un truc ici. Mais pas trop trop cher, quoi. Un bureau. Le bureau coûte 246 flou. Après, c'est pas si cher que ça. Je ne dis pas que ça arrive au bon état. Ouais, à mon avis, elle va se faire manger par quelqu'un avant. Hop. Attendez, j'ai raté des messages. J'ai affiné mon nouveau PC. Oh, trop bien! J'avais pas vu. Un nouveau ordinateur, c'est juste... J'avais un vieux PC avant et il commençait à agoniser. C'est quoi? C'est un PC fixe que t'as, Lucifred? En vrai, même si vous avez, si vous achetez un PC fixe qui est pas très très bon au début, dites-vous qu'en fait, vous pouvez l'upgrade. Vous allez pouvoir l'améliorer. J'ai déjà mangé, mais cette discussion... autour de la bouffe m'a donné faim. T'as mangé quoi, toi, Candice? Là, tu vas me dire, j'ai mangé des petits pois carottes avec un steak haché. Je comprendrais que tu aies faim. Un PC bureau, ok. Alors, Watch Me dépenser le peu d'argent qui reste à dépenser. Écologie. Jeu de base. D'ailleurs, vous avez mangé quoi, les gens, dans le chat, dans la globalité? Qu'avez-vous mangé, vous? Ah mince, je peux pas changer la... Comment ça, rien à dupliquer? Ça, c'est un bug. Sinon, je peux le faire avec le mode... Il doit pas être à jour. Oh, on a oublié une PQ. Mais on a oublié une PQ. Si je casse ça, c'est... Non, en vrai, vous savez quoi? Je vais casser ça, ça va me faire gagner des simples. Ouais, c'est bon. Hey, coucou Nota, comment tu vas? Pas grand chose en vrai, il y a des restes de pâtes bolognaise, mais pas beaucoup, alors j'ai encore... Ah bah c'est pour ça! C'est vrai que je n'ai pas joué, j'ai des périodes comme ça. Bah après le Sim c'est pareil, hein. Enfin avant, quoique je jouais jamais en vrai au Sims avant, enfin je jouais jamais. J'ai eu ma période Sims 3 où j'ai joué des centaines d'heures, Sims 2 aussi, mais Sims 4 sont sortis, j'ai très rarement joué. En fait à chaque fois ça me saoulait parce que... dès qu'un nouveau pack sortait, j'étais allez vas-y, c'est bon, ça va me faire redonner envie de jouer. Enfin, faire du gameplay, j'étais en mode, ah bah en fait non. Un macaroni et limon de fruits. Oh, pas mal. Auto ici encore, tu me donnes trop envie avec ta tartiflette. Pardon Darkness. Des pâtes avec un filet d'huile d'olive à la truffe. Oh, ça a l'air trop bon. Alors, c'est juste des pâtes techniquement. Pizza côté TikTok. Bonne pizza. Soupe de légumes maison et 3 tonnes de fromage juste pour le plaisir. Bien, j'ai mangé McDo, japonais. D'ailleurs, Sexy Celery, je t'ai répondu, je t'offre le pack du coup à la fin du stream. J'ai fait de la purée avec du steak haché maison. Oh, pas mal. J'ai mangé mon PEL, ça c'est pas mal aussi. Des tranches de lomo de porc à la moutarde avec des pâtes. C'est pas mal aussi. J'ai oublié de mettre le PQ. C'est intolérable. C'est inacceptable. Et après, il faut que je fasse l'extérieur. Et j'ai cité que j'ai oublié de mettre la boîte aux lettres et la poubelle. Spaghetti avec dinde à la crème. Alors, en fait, moi, je vous explique. Tout à l'heure, quand je suis rentré du bon travail, c'était un petit peu le bordel. Pour pas dire que c'était totalement le bordel, c'était chiant. Les gens, en fait, pour aller jusqu'à chez moi, il y a une espèce de carrefour qui est trop chiant à prendre. Parce que personne ne sait prendre ce carrefour correctement, alors que c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Et donc du coup, je me suis fait couper la route pour aller au magasin où je devais faire 2-3 petites courses. Et ça m'a tellement saoulé que le gars m'ait fait une queue de poisson pour passer devant moi, alors que techniquement, il n'avait pas à passer devant moi, que du coup, j'ai abandonné l'idée d'aller faire des courses. Voilà, j'ai rage quitte.
Sauf que... Eh ben, alors j'ai des trucs dans mon placard. Sauf que je n'ai plus de beurre. J'ai plus de crème fraîche liquide. Je n'ai plus de sel. Et qu'est-ce qui me manque encore? Il y a plein de petits trucs que j'ai pas. Donc autant vous dire que si je me fais des pâtes, ça va être des pâtes sans beurre. Sans sel. Après, je peux peut-être... Ah, mais attendez, je peux peut-être... Ah, bon, après, j'ai d'autres condiments. Mais quand même. J'ai mis des serviettes. Non, malheureusement, Mélanie, je pourrais pas en mettre. J'aurais pas assez de sous-sous. Sachant que ça, ça coûte des simflos en plus, les petits bambous. Mélanie, un goût, un petit monsieur. Hein. Alors, on va en mettre que deux. Je vais faire des croque-monsieur. Alors, sache, Mélanie, que moi, pour faire des croque-monsieur, je n'ai pas de fromage. Je n'ai pas de jambon. Pas de pain de mie. Pas de crème fraîche désigny. Et je n'ai pas de cheddar. J'ai pas de crème non plus, j'ai rien. Bah je vais mettre un peu de sauce soja en vrai. J'ai de la sauce soja sucrée et salée. Mais je pense qu'il me reste des nouilles asiatiques. Donc je pense que je vais me faire des nouilles asiatiques. Je pense qu'il doit me rester dans mon congélateur, c'est sûr, j'ai des légumes dans mon congélo. Donc je pense que je vais me faire des nouilles sautées. Avec sauce soja salée. Non, sucrée. Sauce soja salée. Non, je vais y arriver. Sauce soja sucrée. Des graines de sésame. Et je vais mettre de la sauce huître aussi dessus. Ça devrait être bon. J'ai de l'huile de sésame, ouais. Bah en fait, oui, en cuisine de la Hesse française, je vais pas. Mais, cuisine entre guillemets asiatique, j'ai de quoi faire. Donc en vrai, ça devrait peut-être le faire. Que je ce soir. Ou alors j'ai ça. C'est à côté de moi, je l'ai toujours pas rangé. C'est soi-disant piquant. Je dis bien soi-disant parce que pour moi, ça pique pas des masses. Apparemment, ça pique beaucoup. C'est ce que tout le monde me disait. Ouais, ça arrache de ouf et tout. Bah, pour moi, ça arrache pas. Bah, ça picote, quoi. C'est des nouilles coréennes. Ouais, attendez. Oui, je peux vous les montrer en... Je vais mettre ça comme ça. C'est ça. Ça pique x2 apparemment. T'as du riz, des légumes. Ouais, j'ai du légumes. Ah, je peux me faire un riz au curry. Oh, ah, mais je peux me faire un curry japonais. Il doit me rester. Ah, mais j'ai la flemme. Mais je pourrais me faire un curry japonais. J'ai des escalopes de poulet. Et oui, c'est ça. C'est pas mauvais, mais c'est juste que bah. C'est vrai que ça brûle les lèvres, j'aime bien cette sensation. Mais sinon, tout près dans la bouche, je trouve pas que ça pique, mais genre ça va quoi. Justement, on m'avait dit, mais tu vas voir et tout, tu vas cracher le feu limite. Bah, même pas. J'ai pas de fromage. Quand j'ai dit que j'ai rien, hein. Genre vraiment, c'est quand je dis que c'est un peu la décadence niveau frigo, c'est pas une blague. En fait, je pensais tenir jusqu'à la fin du mois, au niveau de mes courses. Parce, en vrai, je suis quand même fier de moi parce que j'ai fait qu'une seule fois les courses depuis le début du mois. Bon, là, visiblement, j'ai plus rien. On est le 24 du mois, donc en fait, en une fois, j'ai fait des courses pour 90€ et j'ai tenu presque un mois. Pas de flemme quand on parle de manger. Ah si, moi j'ai la flemme. Pas facile à aider. Bah oui, je sais. Puis en plus, j'aime pas grand chose. Ça, je sais pas si c'est fonctionnel. Mais au pire, ils passeront sur le côté. Mais ouais, non, moi j'aime pas faire à manger. Ça me saoule. Comment ça, je peux pas dupliquer la boîte aux lettres? Dans le type de nouilles, je mets les restes de poulet en effiloché. Mais j'ai des escalopes de poulet congelées. Il y a toujours du beurre dans le congélo pour faire des pâtes feuilletées. Mais je pense qu'il faudrait que je mette toujours du beurre dans le congélateur, au cas où quand ça m'arrive. Il faudrait que je fasse ça. Oh, attendez, faut que je vous raconte une anecdote. Alors oui, parce que, du coup ma mère a appris que je racontais plein d'anecdotes sur mon stream. Ma mère n'était pas au courant de ça.
Du coup, elle dit, mais les gens, ils doivent nous prendre pour une famille de cinglés. Je dis, non, vraiment, ils ne nous prennent pas pour une famille de cinglés. Juste une famille où on n'a vraiment pas de chance, ils seraient toujours des tuiles. Et du coup, anecdote d'aujourd'hui. Aujourd'hui même, elle est toute fraîche. Le patron de ma mère, elle lui a dit, ah, en fait, si vous voulez, j'ai été bon. Parce que, alors, je suis contre la chasse. Je vous le dis tout de suite, je suis contre la chasse. Le patron de ma mère, visiblement, est un chasseur. Et a été chassé le sanglier. Et elle dit, mais attendez, on a chassé un énorme sanglier, je sais pas quoi. Est-ce que vous voulez pas un morceau? Bah, en vrai, quand on te propose de la viande gratos, au prix où ça coûte, bah, tu dis pas non. Donc, ma mère a accepté. Donc, nous, on pensait avoir un petit morceau. Il lui a donné une cuisse. Genre la patte entière du sanglier. Genre, c'est énorme. Genre. Du coup, il m'a donné ça. Du coup, bah, ma mère, elle doit le découper. Et du coup, il n'y a pas de place dans son congélateur. Du coup, j'ai une partie qui va venir dans mon congélateur, une autre partie dans celui de ma soeur. Voilà. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore chez moi, le machin. Mais je suis en mode. Génial. Surtout qu'en plus, je vais même pas le manger. C'est Alors là, pour le coup, c'est juste parce que comme je sais pas cuisiner, ce genre de... En plus, c'est des viandes... Enfin, c'est de la... C'est viande... Comment on appelle ça? C'est pas faisandé, mais... Genre, ça sent super fort, là, le sanglier. En goût, si tu sais pas le cuisiner. Et comme moi, je sais pas cuisiner, je serais capable de m'intoxiquer. Je suis sûr que j'ai passé les... Ah, j'ai passé les 20 000 Zimfous. Et merdasse. Hein? Bon, bah les gens, regardez, on va trichouiller, on va leur faire ça, j'ai pas le choix. Voilà. Viande gibier, voilà, c'est ça. En dos ou terrine. C'est ma mère qui va s'occuper de faire ça, mais du coup, faut qu'on le mette dans nos congélateurs. Nous a amené un entier, on a dû faire la découpe. Quel lourd. Ouais, c'est le meilleur en venaison. Voilà, je sais pas trop ce qu'elle va en faire. Alors, ma mère, elle a fait le sanglier en bœuf bourguignon. J'avoue, c'est bon. J'avoue, c'est bon. Mais j'avoue qu'en fait, moi, je mange presque plus. Faut savoir que je mange presque plus de viande. Alors, c'est pas du tout pour une idéologie végétarienne ou quoi que ce soit. C'est juste que, bah, quand j'ai été étudiant, je pense comme beaucoup d'entre vous, la viande, quand on est étudiant, ça coûte cher. Donc, du coup, on ne mange pas de viande. Voilà. On mange des lardons pour les pâtes carbo. Et en fait, j'ai gardé ce réflexe de ne manger que très peu de viande, même quand j'ai trouvé du travail. Ce qui fait que bah, aujourd'hui, à part manger de temps en temps des lardons dans mes pâtes carbo, et bah en fait, je mange pas de viande. Ou très peu. Je vais en manger en restaurant. Au restaurant, je vais en manger, parce que comme en plus, je vous l'ai dit, je suis très mauvais cuisinier, je ne veux pas gaspiller de la viande inutilement en ratant la cuisson. Hop là. Et du coup, je peux vous le dire dans mes conneries. Donc oui, donc en tout cas, je sais pas moi qui cuisinera ça, quoi. Et du coup, ma mère elle va faire ça en bœuf bourguignon, je pense. Ça, j'en mangerai. Santé pour les repas, c'est ça. Mais là, quand elle m'a envoyé la photo du truc, je me suis dit, c'est énorme. Mais d'ailleurs, ça m'étonne parce que elle aurait dû venir chez moi le déposer. C'est pas logique. De très bonne viande où on mange très peu aussi, c'est super cher. Bah en fait, moi, comme je vous dis, en fait, la viande, j'aime plus trop ça, donc... Enfin, c'est pas que j'aime plus trop ça. J'aime bien manger des bons morceaux de viande, mais clairement, je peux... En fait, à l'heure actuelle, je pense que je pourrais me passer un peu... je pourrais me passer de la viande. Ouais, non, en fait, ça dépend de ce que tu me proposes. Mais je sais que dans la semaine, genre... la viande rouge... En vrai, je parle de viande rouge, parce qu'en vrai, en viande blanche, comme du coup, je fais du sport, je mange du blanc de poulet, je mange des trucs comme ça. Mais de la viande rouge, j'aime la manger qu'au restaurant, en règle générale. Genre un carpaccio de bœuf, un steak tartare, bonne entrecôte bien saignante, bleue. Voilà. Et puis bien sûr, je ne pourrai jamais devenir végétarien pour une seule et unique chose, la charcuterie. Je pourrais me passer
de carpaccio de bœuf. Je pourrais me passer de steak tartare. Je pourrais me passer d'une bonne entrecôte saignante. Mais le saucisson. Le saucisson. Le saucisson, je suis désolé, je ne peux pas me passer de saucisson. Hé, hey, coucou Cassie, comment tu vas? Il nous faut un immo de saucisson. Faites-en une patate à gras. Ah oui, enfin, de sanglier, ça va être super fort. Genre, le saucisson. Genre, tout ce qui est, en vrai, tout ce qui est charcuterie, j'adore la charcuterie. Je sais que c'est très mauvais pour la santé, en plus. Mais j'adore ça, donc. Fondue bourguignonne. C'est bon, les fondues bourguignonnes. Ah, c'est bon. C'est, en vrai, la fondue bourguignonne, c'est bon. C'est vrai. Mais la fondue bourguignonne, très vite, je suis écœuré parce que c'est que avec de la viande. Donc très vite, je suis en mode, bon, bah c'est bon, j'ai fini de manger. On est d'accord, le saucisson. En plus, alors, placement de produit. Auchan, si vous voulez me sponsoriser. À Auchan, il y a une marque espagnole, je sais plus c'est quoi. Ils font un saucisson à la truffe. Et alors, il est pas si cher que ça. Et alors, qu'est-ce qu'il est bon. Ça va, merci toi. Bah écoute, ça va bien. Ça va, tu viens de me rappeler que j'en ai. Hop, voilà. Ils sont tellement bons les saucissons en France aussi, alors que je comprends totalement. Le plus décevant par ici, depuis que j'en ai mangé là-bas, bah, tu m'étonnes. Ce sont, c'est la vie, mais tellement. Je vais rajouter un petit arbre ici, là, du débogage. Ah, attendez, je pense que je vais mettre un sapinou. Heure de écologie. J'ai pas de champard chez moi. Voilà, c'est histoire de meubler un peu ce jardin. En vrai, c'est pas trop mal. Je trouve qu'on reconnaît bien la forme de la maison. J'aime bien. Ou le fouet, oui, c'est le fouet. Non, le fouet, j'aime bien, moi. C'est pas Alcampo, c'est le nom espagnol de Auchan. J'ai mangé une fondue bourguignonne dans un bouillon type ramen. Ah, bah t'as mangé une fondue... comment on appelle ça? Pas une fondue asiatique? Je sais qu'il existe les fondues chinoises. Moi, j'ai déjà mangé une fondue... Bah, je crois que c'est une fondue coréenne qu'on appelle. Ah non, j'ai mangé un barbecue coréen. C'est pas du tout la même chose. Excusez-moi. Construit tellement... et en parlant, c'est gentil. Ah, j'ai envie de saucisson, les gars. J'ai envie de saucisson. C'était pas au resto, c'est pour ça. Produit chinoise, ouais. Et ça. Bah, on en a dans les Sims en plus. On en est où niveau budget? Putain, on est proche du budget quand même. Après, au pire du pire, si jamais je vois que j'ai encore besoin d'argent, je peux toujours bazarder le lit qui me coûte 1600 simflouz là, 1300, et je peux mettre celui à 250. Au pire. La façade, je la trouve un peu tristounette. En fait, faut que je rajoute un arbre. Il y a quoi d'autre comme à part des sapins ici? Si, avec des sapins. Attends, plus on va mettre un sapin. Ça dépasse un peu. Pourquoi pas? Je pour aller manger à plus. Pas de soucis, Lucifred. Et bah, bon appétit à toi. De toute façon, oh, mais j'avais pas vu l'heure. Il est déjà 22h10. On va pas tarder à se laisser. On va upload ça sur la galerie. Oh, c'est joli comme ça. Alors, je pense qu'on va, on va baisser un peu le toit. Peut-être mieux. J'avais pas vu le... Eh, hey, c'est passé super vite cette soirée. Après, on a beaucoup parlé de Hogwarts Legacy et de la polémique avec... avec J.K. Rowling. Pour ça aussi.
Voilà, on a un message. Je vous laisse également, sinon le réveil du cerf va piquer demain. Oh là là, Ikyo, sache que moi je me lève à 6h30 demain et je me couche à 2h du matin. Ça va être horrible. J'avais pas fait attention que tu avais enlevé le toit terrasse. Ouais, j'ai dû, ça me coûtait trop cher. J'ai pas eu le choix. Et je pense qu'on peut dire qu'on a terminé la... On a terminé la maison. On a terminé la petite maison. En plus, en vrai, ça rend bien avec le jardin, avec la maison à côté et tout, là. J'aime bien. On va faire un petit screen pour la miniature YouTube. Voilà. Mince, je crois que j'appuie sur V. Mince, non, j'avais fait une vidéo. C'est pas... qu'est-ce sur les Sims. Je vais aller voir s'il y a... Je vais voir s'il n'y a pas les copains... Enfin, Pierre est un copain streamer aussi, mais... Regardez, parce que je crois qu'il doit... Ouais, il a du monde. Je vais voir s'il y a des gens que je connais. Aussi sur les Sims, on a Loki. On l'arrête déjà, du coup, la dernière fois. Alors si. Alors, je vais pas vous envoyer chez Lucas. Attendez, je vais regarder. Il y a peut-être un copain chez qui je vais vous envoyer. Non, si je vous savez quoi, je vais vous envoyer chez Lucas. Vous allez chez Lucas, comme ça sera sûr du Sims. Alors je me trompe pas parce que la dernière fois j'avais écrit enfin j'ai failli écrire Lucas la dernière fois. Toi, en vrai je vous envoie choix chez Lucas. Peut-être Loki. Attendez, Loki a fait quoi? Enfin, je dis ça mais attendez, j'ai pas terminé le stream, il faut encore que je pose ça dans la galerie. Vous savez quoi? On va raid Loki now. La copine Loki. Je vais d'abord uploader ça sur la galerie. Donc ne quittez pas tout de suite. Hein. Ne quittez pas tout de suite. On va encore streamer pendant 5 minutes. Elle fait du Sims OS pour ça. Et puis Bubu, je la raiderai une prochaine fois. Je raiderai Bubu une prochaine fois. C'est déjà la fin. Ouais, bah, j'ai plein de trucs à faire. J'aurais bien streamé plus longtemps. En vrai, j'aurais eu la motive, mais... C'est que j'ai trop de trucs à faire après. J'aurais pas eu autant de choses à faire. Je vais vraiment essayer de mieux m'organiser pour me gagner du temps. Bon déjà, je m'organise déjà beaucoup, mais... Sur la galerie, c'est dégueulasse. Hein. Alors. Source, je vais marquer source la carrière, comme ça. Hop, et nous. Sur la galerie, c'est pas très joli. Hein. Voilà. Lucas, demain, elle fait du arc, si jamais. Oh, bah, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. On est sur une chambre, une salle de bain, et on le place sur la galerie. Et on aura fait deux bâtiments aujourd'hui. Ça veut dire que demain... C'est bon, on est que sur écologie, trop bien. En plus, je trouve que la maison, elle se fond bien dans le décor. Très bien. Demain, on commencera cette maison-là. Et on terminera par ce bâtiment du démon qui est juste ici. Donc, sur ces bonnes paroles, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je remets mon plaid avant qu'il tombe, parce que j'ai froid. Bien que j'ai mis le chauffage, ça va. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de chauffage de l'année. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Oula, mon casque, il fait toujours des trucs chelous avec mes cheveux. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été là ce soir. Ça m'a fait super plaisir d'être avec vous encore une fois en stream. Je vous envoie chez la copine Lokinawa, qui est actuellement en stream sur les Sims 4. Donc, n'hésitez pas à lui faire plein de bisous quand vous arrivez là-bas, à lui faire les petits emotes de Pikachu. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve du coup demain à partir de 19h30 pour la suite de la rénovation des mondes. Parce que ça va me faire super plaisir, on va bien avancer encore une fois. Du coup, passez une excellente fin de soirée, reposez-vous bien. Et moi, je vous dis rendez-vous demain 19h30. Bye tout le monde!